Oh, this you crazy mother. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Master Geek. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast des familles du mois de novembre. Du mois d'octobre. Mais pour le mois de novembre. pour le mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui avec mes acolytes habituels Ringo, Yomi et Koma. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a tous les quatre du coup un jeu à proposer pour ce podcast. Il a fait la passe de fer. Ah bah oui, il y a pas de guerre. Ah, t'es vraiment guerre. Ringo, il va nous parler de l'anal du destin. Ah bah oui, il parle pas comme Lyon. C'est de comme ça, cache ça. Il parle l'anal. En premier. L'anal du destin, tout à fait. Yomi. Moi je suis en deuxième moi. Ouais, mais. Pas grave. Je fais The Evil Within. Comar va nous faire la version Switch et PS4 de FIFA 18. Tout à fait. Monsieur les frais. Et moi je vais faire La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur Robert. Qui c'est qui commence? C'est moi qui commence aujourd'hui. Moi je commence donc avec l'anal du destin où j'en ai un petit peu parlé pendant mon let's play qui est tombé là. C'est vrai que tu voulais pas qu'on dise let's play parce que ça faisait trop. Session de jeu. Alors moi l'anal du destin je l'avais pris parce que. Pas trop à côté du micro ça. Pas une bonne idée. Ah oui, pardon. Depuis le début c'est pas bon. S'en fout, vas-y, continue. Et lui il est chiant, dès qu'il y a du monde, dès qu'on est nombreux, il est chiant. Il est chiant, de toute façon il est tout le temps chiant. Donc, l'anal du destin. Donc, l'anal du destin c'est un jeu donc, produit, ce que je disais déjà, par Ubisoft, South Park Digital Studio et Snowdrop. Donc, c'est Ubisoft Californie qui s'en occupe. Donc, ça c'est la suite officielle du Bâton de la Vérité qui était le premier épisode de South Park. Donc lui, il est sorti le 17 octobre de cette année. Et moi, je suis plutôt emballé, honnêtement. Je l'avais pris, alors c'est ce que je te disais en amont. Si j'avais pas fait le 1, je pense que j'aurais jamais pris le South Park l'anal du destin ce mois-ci, vu qu'il tombe sur un mois qui est vraiment pas favorable à sa sortie. Après, moi, c'est vrai que je trouve que le 1 était vraiment, vraiment, vraiment un très bon jeu qui n'avait pas été jugé à sa juste valeur. Et le 2, ça va être un peu pareil, je pense, mais c'est vrai que le 2 est vraiment aussi emblématique que le 1. C'est quand même difficile de reprendre une suite, surtout quand le 1 avait vraiment plu aux joueurs qui l'avaient fait. Et South Park, c'est une grosse licence, et c'est une série qui est quand même maintenant très emblématique. Et vraiment. Combien de saisons en plus de Téloche? Je sais plus, 20, non, au moins la 20e. Je crois que c'est ça, la 20e ou la 21e, un truc comme ça. Et donc là aujourd'hui, l'anal du destin, donc le premier, le bâton de la vérité, c'était un peu dans une ambiance un peu médiévale. Là c'est une ambiance donc super héros, avec Kurtman qui sera donc votre leader comme dans le 1, et là ça sera le Kun, donc un espèce de chat. Moi je n'ai pas terminé le jeu encore. T'as pas fini ton jeu? Non, j'ai pas fini mon jeu, pas encore. J'ai l'impression que c'est un podcast spécial, personne n'a fini son jeu. Non, mais attends, si moi j'ai fini. On le fait plus. Moi aussi j'ai terminé. Moi j'ai terminé. Parce qu'on l'a. C'est un jeu de dobé. Tu l'as fini en match. Et tu l'as eu avant nous le jeu. Et puis tu l'as fini en 20h. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Même pas, moins que ça. 14h, je crois. 13h. En tout cas, voilà, moi j'en suis pour le moment à 12h de jeu, donc j'arrive pas très très loin de la fin. C'est un jeu qui en. En minimum, je pense qu'on doit être sur 14 heures de jeu minimum. Après, c'est vu qu'il y a beaucoup de... Quand on s'arrête dans les maisons, quand on va voir un petit peu, qu'on va fouiller, on va stuffer, je pense que ça prend un peu plus de temps. Je pense que c'est une campagne qui peut durer grand maximum genre 20 heures. Vraiment, c'est le grand max. C'est pas des grosses campagnes, mais ça reste honnête pour un jeu. Et après, d'ailleurs, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'après, tu peux revenir une fois que tu as fini ta campagne quand même? Bah ouais, si tu dois pouvoir, si parce que t'as peut-être pas des quêtes, mais du moins des énigmes à résoudre, dans le sens où tu vas sûrement aller, parce qu'en fait t'as du stuff à récupérer, t'as du stuff qui est plus ou moins simple à récupérer dans les placards des maisons, mais t'as du stuff où t'es obligé d'utiliser tes pouvoirs et pouvoir débloquer casser des murs, débloquer des échelles, revenir en temps.
Donc voilà, ça, à mon avis, je pense que tu vas pouvoir. Tu reviens dans le monde de South Park pour débloquer ce qui te manque. Et débloquer ainsi les succès qui te manquent. Je pense que tu peux encore te battre pour faire des, voilà, des succès. Que dire de plus sur un peu l'histoire de South Park? Donc là, vous êtes un héros, donc il y a possibilité de choisir plusieurs classes. Trois classes au début du jeu, que je parlais dans le let's play, donc brutaliste et que moi j'avais pris. Et après, vous avez possibilité en fait de jumeler encore une autre classe. Ouais, moi j'ai eu ça après, tu peux jumeler une autre classe et donc t'as Cyborg. Tu tires avantage des deux classes que t'as ? Ouais, alors moi je pensais que de choisir une autre classe ça allait m'enlever justement là ma première classe, et en fait non, tu peux choisir tes pouvoirs que t'as dans les deux classes et les jumeler ensemble. Ainsi que le spé, tu peux soit prendre le spé de ta première classe, soit prendre le spé de ta deuxième classe. D'accord. Donc voilà, la campagne en elle-même elle est trépidante, l'histoire est vraiment bien foutue. Alors moi je l'ai pas terminé, mais vraiment là pour le moment ce que je peux en dire c'est qu'elle est vraiment épique. Ça reste c'est pas genre t'as pas l'impression que c'est un jeu qui prendrait exemple sur South Park, t'as l'impression que c'est une suite, enfin que ça pourrait clairement être la suite, une histoire de South Park quoi, vu que bon, maintenant c'est ce qu'on disait un peu dans l'esprit, c'est que les saisons commencent à se suivre et avoir un lien direct entre elles, plus que les saisons, les épisodes en fait. Là aujourd'hui clairement ça, même si c'était même si ça prendrait pas l'histoire de South Park des saisons, ça pourrait clairement être des je sais pas un épisode spécial tu sais de Noël ou voilà, ouais. Voilà, ça pourrait être un épisode spécial, et c'est ça qui est vraiment génial dans South Park, c'est que l'histoire est vraiment trépidante, tous les codes de South Park sont là. Moi ce que j'aime bien, c'est l'aspect graphique surtout, t'as vraiment l'impression de retrouver la série South Park, et si ce n'est même en plus joli, parce que en coup t'as les, du coup t'es une 3D ou t'es en 2D, t'es comme dans le film, comme dans le, t'as vraiment l'impression de voir l'anime exactement, tu sais, vu un peu de vu un peu 2D, sauf que t'as de la profondeur parce que tu peux choisir différents niveaux de profondeur dans ton, c'est ça. C'est pas linéaire quoi, t'as de la profondeur dans les niveaux, enfin dans des... Par exemple, si tu vois une porte au fond, tu vas avoir la sensation quand même que tu avances vers le fond. C'est ça. Et donc, c'est double effet de profondeur, tu vois, c'est... Tout à fait. Je vous remercie cordialement. Donc voilà, donc là vous interprétez donc le même héros, le même personnage qui était surnommé Connard par Cartman, par le Coon. Et vous allez interpréter ce même héros-là, et vous allez devoir résoudre l'énigme du chat disparu pour toucher une somme qui est, je crois, que 100 dollars que le Coon veut pour pouvoir améliorer justement la base et pour pouvoir améliorer l'esprit de la bande du Coon. Donc à la fin du jeu, t'es remboursé. Ah, je sais pas du tout, j'ai pas fini le jeu. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Ça, c'est côté banquier. Ça. C'est côté banquier, ça. Dès que ça parle aux thunes, ça y est. Là. On propose. Non, mais. C'est bon, tu me proposerais pas le dossier familial, toi, par hasard. Pour pas cher. Hein. Pour pas cher. Presque rire. Donc voilà, que dire de plus, l'idée, c'est que ça reste. Ils ont bien pris les codes du 1. Tout ce qui va être stuff, personnalisation, ça, c'est au top. Il n'y a pas de défaut majeur en soi, parce que je trouve quand même le tour par tour, c'est quand même un défaut du jeu, et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le défaut du jeu, c'est que c'est un mode un peu spécifique, il faut apprécier ça. Après, il faut vraiment y jouer pour vraiment t'apprécier. Ils ont vraiment bien bossé, ils ont bossé leur mode de combat. Avant, le tour par tour était vraiment linéaire, il n'y avait pas de déplacement ou quoi que ce soit. Là, tu es vraiment sur un échiquier, tu te déplaces et tu as des stratégies à faire en te déplaçant. Il y a vraiment, ils ont bossé aussi des boss dans les combats. Avant, tu avais des boss, mais là, pour le coup, ils sont vraiment bien marqués, c'est-à-dire que tu sais bien que c'est un boss qui arrive, quoi. Il est affiché, il arrive, et puis il y a... Moi, je me rappelle du premier boss que j'ai vraiment fait, c'était une grosse stripteaseuse black qui arrivait. Et en fait, l'idée, c'était fallait pas la combattre, fallait l'éviter. C'est-à-dire qu'il fallait avancer dans le couloir du bar de striptease et avancer le plus vite possible, parce qu'en fait, elle, son pouvoir, c'était... Il y avait une zone autour d'elle, elle faisait un one-shot si t'étais dedans. Et en fait, quand c'était ton tour, elle chargeait une barre, et si elle était arrivée au max de sa barre et que t'étais encore dans ton tour, elle annulait ton tour. Et ainsi de suite, donc tu avais une stratégie à faire, c'est-à-dire que des fois tu zappais un tour juste pour que cette barre qui annulait les tours de combat tombe sur celle des ennemis. D'accord. Okay. Et en fait, te crame leur tour, et ainsi de suite, toi tu récupères ton tour. Donc c'est vraiment, il y a une stratégie à faire, il y a vraiment, tout est pensé. C'est pas aussi simple les combats qu'avant, et il y a ces difficultés. Dans le premier, les combats étaient quand même assez simples, c'est que tu pouvais déjà récupérer de la vie avec tes potions avant d'enclencher ton tour. Là, tu peux plus, ça te crame ton tour. Avant, tu pouvais même... Même te faire guérir par ton pote qui te filait le machin. Filait le machin, bah là maintenant c'est plus possible. C'est genre, ce qui était bien d'ailleurs, parce que tu pouvais aussi sauver ton pote comme ça. Exactement, bah là c'est plus possible non plus. Les héros sont, je dirais même que les personnages qui t'accompagnent sont bien plus emblématiques que le 1.
Dans le premier, déjà, j'ai trouvé. Ouais, et ben là, franchement, ils ont bien bossé les histoires. Il y a Kurtman qui arrive plus rapidement en jeu, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer avec lui dans ton équipe beaucoup plus rapidement que dans le 1, et dans le 1, tu le vois très très peu. En soi, il combat pas véritablement avec toi. Là, pour le coup, il va vraiment être avec toi, il va vraiment combattre, tu vas pouvoir choisir dans ta liste d'amis et combattre avec lui. Donc, ça, c'est cool. Parce que Kurtman, ça reste le personnage central de South Park et des deux. En plus c'est lui qui à chaque fois enclenche le jeu en fait. C'est exactement ça. C'est celui qui c'est le chef Kurtman dans tous les South Park qui sont sortis là, les deux. Petit côté, il y a plein de petits rappels à l'actualité, Netflix et tout ça, Marvel qui cartonne bien. Mm-hmm. Ils vont beaucoup en parler. Il va y avoir aussi un côté humour que tu n'avais pas aussi, les combats aujourd'hui. Les combats, tu es en train de te battre, tu te bats dans la ruelle, et d'un coup d'un seul, ton combat peut totalement s'arrêter. Et là, tu entends en voiture, et d'un coup, les gamins se poussent de la route, et même les gamins qui sont morts sur le machin, ils se relèvent. Ah ouais, merde, attends, j'y retourne. Et ils font genre, ils voient pas la voiture qui passe, et ainsi de suite. Et voilà, ils ont vraiment bien bossé ça, et ils sont allés plus loin dans le jeu, et c'est ce qu'on attendait d'eux. Et parce que le problème, c'est que d'un côté, ils pouvaient plus faire un effet de surprise. Là. Ah oui, non, le premier, il y avait cette effet de surprise là, on n'attendait pas spécialement South Park. Et voilà, ça avait créé la surprise. Aujourd'hui, les gens qui avaient fait South Park 1, ils en avaient vraiment pensé que du bien. Il avait été vraiment bien accueilli par le public. Et pour le coup, ils avaient quand même. C'était aussi difficile pour eux de revenir avec un 2 aussi bon que le 1. Et là, pour le coup, le défi est réussi. Et c'est vraiment un carton plein. Et c'est ce qu'on parlait aussi un petit peu avant. C'est dommage pour lui qu'il sorte ce mois-ci. C'est un jeu qui mérite vraiment d'être vu vraiment comme un jeu à part entière. Ouais, je comprends pas pourquoi ils l'ont lancé maintenant, tu vois. Enfin, il y a Assassin's Creed qui sort aussi. En plus, ça fait deux jeux d'Ubisoft, donc je comprends pas pourquoi ils se. Ils ont sorti quoi, les Lapins de Crétin et Mario le mois d'avant. Enfin, il y a un mois et demi. Ouais, je crois bien. Et voilà, en plus, ils le mettent face à une de leurs licences comme Assassin's Creed, ça, c'est pas légitime. Et en plus de ça, ils savent ce qui va sortir ce mois-ci. Entre les autres, Wolfenstein, The Evil Within 2, Forza qui est sorti. Forza, Gran Turismo qui est sorti quand même. Gran Turismo, puis les jeux qui arrivent, du coup il y a Call of, il y a quand même pas mal de jeux à la fin d'année. Il y a Xbox One X qui va arriver, voilà. C'était pas le bon moment pour sortir South Park parce que ça va faire deux fois que le jeu sort où il va encore passer en dessous des radars. S'il avait eu sa version Switch, ça aurait cartonné. Il pourrait, hein. C'est un jeu qui est clairement possible d'être. A priori, il est plus lourd en téléchargement que le premier. Le premier, il faisait 3,5 GB, 4 GB. Ça m'étonne pas parce que. Et lui, a priori, c'est ce que mon pote disait, il fait 7 à 10 gigas, je crois. Ça se peut parce qu'honnêtement, il est bien plus complet. Ouais, mais c'est quasiment le double du premier. Mais il est bien plus complet. Il est plus complet. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est aussi plaisant d'avoir celui-ci parce qu'il est plus complet que le 1. Et pour le coup, c'est pas inimaginable sur une console portable. Quoi. Et graphiquement, du coup, est-ce que c'est un level up sur le 2 ou... Level up. Ouais. Level up. Oui, il est plus joli. Forcément, il est bien plus joli, il est bien mieux bossé. Après, c'est difficile de faire beaucoup plus parce que c'est quand même un dessin. C'est un animé. Après, voilà, il est quand même bien bossé. Je le trouve même des fois plus joli que la série à des moments. Alors, par contre, le petit bémol, et je le disais déjà dans l'esprit, je me répète un peu, mais c'est. Les doublages français. C'est ce que j'allais dire. Les doublages français, voilà. Moi je sais que personnellement j'ai essayé les doublages français qui sont pas les vraies voix originales qui sont celles de la série en France parce que d'un coup Ubisoft et ces voix là se sont pas mis d'accord sur le contrat alors qu'ils avaient plus ou moins acté ça. C'était plus ou moins. Ils nous avaient promis qu'on aurait les voix françaises. C'était acté. Par contre, ils nous ont jamais dit que ce seraient les voix officielles françaises. Bah si, ils nous ont dit qu'on aurait le doublage français. Ouais, on s'attendait au final. Ils se sont pas mis d'accord, et ça c'est le défaut français. C'est-à-dire qu'en soi, dans les autres pays, ils s'en foutent. Pour nous, en France, c'est un peu chiant. Parce que c'est vrai que j'ai essayé quand même avec les voix françaises qu'ils ont mis, les autres doublages, et ils essaient tellement de faire les mêmes voix que ça devient pourri en fait. C'est-à-dire que t'es déçu parce que cette série est emblématique, moi je sais que j'adore cette série. Et les voix depuis le temps. Quoi. Et les voix, tu les connais par cœur, et là, c'est décevant. Donc moi, je suis repassé tout de suite, assez rapidement, je crois qu'au bout du... Ouais, j'avais joué une heure. La première fois que j'ai joué, et je préfère rejouer avec les voix originales à la limite, ça a plus d'impact. Et puis le doublage, les sous-titres sont bien foutus. Et ouais, exactement. Voilà, c'est grave le 1. Il est grave le à souhait. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est fait pour les enfants, c'est vraiment pas un. De toute façon, c'est un Peggy 18. Ah, c'est un Peggy 18, hein, il le vaut vraiment. Ce qui fait aussi son point fort, qu'il soit pas censuré. Ah bah, totalement, il est vraiment pas censuré. Encore en plus en France, ça c'est étonnant, mais honnêtement, il est vraiment pas censuré. C'est pas un jeu pour les enfants, c'est vraiment un jeu pour les adultes. Il parle de ton personnage, il va faire du lap dance en striptease sur des mecs, des vieux pervers, quoi. Et il va venir exploser la gueule de mecs, voilà. De toute façon, c'est comme la série, mais en jeu, quoi.
si ce n'est pas plus. Moi j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que la série. C'est vrai, je ne sais même pas si elle si est interdite, enfin déconseillée à partir de quel âge. Bon, je crois pas, moins de 16 ou moins de 12. Ah, sérieux, normalement. T'as un déconseillé, regarde. Mais c'est vrai que voilà, et je trouve vraiment plus graveleux que la série, et bien plus graveleux que le 1 l'a pu être. Alors que le 1, pourtant, t'as un moment où il se fait une émission, c'est de serrer du sphincter pour écraser des gouttes de d'aliettes que tu te fais rentrer dans le cul d'un enfant de 12, de 6 à 8 ans, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. Dans South Park, c'est South Park, quoi. Ça devient normal. Mais ouais, c'est pas mal foutu. Tu vas vraiment. Enfin, il est complet. Il est complet. Les classes sont là. Les artefacts qui permettent de monter ton niveau sont là aussi. T'as tout un truc de création à créer des objets. Pareil, ça t'oblige à aller stuffer, à aller fouiller dans les maisons, à aller acheter des choses. T'as Morgan Freeman quand même qui est là, t'as qui vient un peu son apparition, qui te parle un peu mystérieusement, qui vend des tacos, mais c'est pas pourquoi il vend des tacos, mais lui il apparaît, ces tacos là vont te permettre d'avoir ses super pouvoirs. Ton super pouvoir reste l'anal, forcément, l'anal de destin, c'est comme dans le 1, ton pouvoir venait de ton cul, bah là c'est la même chose. Tu vas faire beaucoup de P, tu vas utiliser ton P pour remonter le temps, tu vas utiliser ton P pour faire une pause dans le temps et pouvoir résoudre des énigmes. Tu vas utiliser ton P pour être la P mobile de Kyle, qui va te permettre de t'envoler en l'air. Enfin voilà, ils ont bossé l'univers jeu vidéo et c'est pour ça aussi qu'il est plus. Enfin, jeu vidéo, super-héros, et c'est pour ça qu'il est emblématique parce que les musiques sont là, les personnages, il y a toute une histoire. Kirkman va vous inventer une histoire. Pourquoi t'es super-héros ? La finalité, c'est toujours la même, c'est parce que t'as vu. T'as eu le malheur de pas avoir eu le temps de sauver ta mère qui se faisait baiser par ton père. Et t'as vu ça, et t'as pas pu la sauver de ça, et ton père baisait ta mère. Même s'il refait l'histoire, parce qu'à un moment, quand tu changes d'histoire, à un moment, il te change ton histoire, et voilà. Je pense que je sais pas si ça dépend des classes ou pas, ça serait curieux, ça serait intéressant de le faire pour voir. Je te dirai quand. Ouais, j'avoue, change les classes, et puis vois si ça. Mais voilà, le but final, c'est que t'as vu ton père baiser ta mère et t'as rien pu faire. Mais voilà, c'est bien foutu parce que Kyle comprend que Kirkman raconte de la merde, mais Kirkman reste focalisé là-dedans. C'est voilà, c'est très drôle et tu te marres. C'est un jeu qui en fait, moi c'est pour ça que je le disais dans le 1 et je le dirais du 2, c'est une des meilleures expériences de jeu vidéo que j'ai eu dernièrement. Pas parce que c'est pas visuellement, pas au niveau du gameplay, mais au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que tu regardes, t'as l'impression que tu peux rester des fois dans les cinématiques et t'es là, tu les suis de A à Z parce que t'es dans la série quoi. Et t'es vraiment dedans, t'es plongé dedans et tu te marres quoi. Et c'est plaisant d'avoir des jeux comme ça rafraîchissants où tu vas te marrer, où tu vas vraiment te marrer quoi. Tu vas taper une barre, Captain Diabète qui a le diabète parce que sa mère lui a pété dessus à la naissance. voilà, c'est des trucs que tu peux trouver que dans South Park et que tu trouveras jamais ailleurs dans une série ou que tu trouveras non plus jamais ailleurs dans le jeu vidéo aujourd'hui. Donc ça, c'est un carton plein pour Ubisoft et il aurait dû tomber à un autre moment, avril, l'été. On voit un moment où c'est un peu une période de creux et les gens vont aller dessus parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et là, ils se rendront compte du succès qu'est South Park. Et voilà, il est pas traité à cette époque. C'est dangereux d'avoir balancé ce mois-ci. Je prends l'exemple de. Après, si c'est du solo, c'est un jeu qui peut être dans la longueur. Enfin, ah oui, tu peux. Tu l'achètes maintenant, ouais, tu l'achètes dans 6 mois, il aura. Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il va décoter en prix dans 6 mois. Donc, en fait, les joueurs, ils vont pas l'acheter au prix fixe. Ouais, le problème, c'est qu'Ubisoft récupère moins de billes derrière. Donc, il y a moins de chances derrière qu'il y ait un épisode 3 où on fait le chaos. Le coup, c'est plus dans ça où c'est chiant, quoi. Parce qu'il sortirait, tu vois, au mois de février, mars, ça, c'est un pas de jeu en face, les joueurs y vont. Lui, il est énorme. C'était avec. Mais ouais, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage pour Ubisoft. Ils vendent pas bien cette licence, alors que vraiment, voilà, Gameblog, par exemple, qui est vraiment un site spécialiste quoi, dans le jeu vidéo, ils ont quand même noté 8 sur 10 avec un indispensable Gameblog. Donc, c'est preuve que c'est un jeu qui a du sens et c'est un jeu qui mérite d'être fait, en fait, dans nos consoles. Après, tu peux choisir la plateforme. Moi je l'ai fait, donc j'ai le comparo, je l'ai fait le premier sur PC, je l'ai fait sur console, j'ai plus de plaisir à le faire sur console. Ouais, tu vois, moi c'est ce que je te disais, c'est je le fais sur PC mais avec la manette Xbox, et du coup en fait je kiffe bien. Bah oui, c'est ça. Mais en fait c'est juste les contrôles clavier où nous on est tellement pas habitué à ça que c'est chiant. Et puis même parfois t'as des techniques, tu sais, pour sortir des techniques spéciales, genre le dragon du P ou je sais plus quoi là. Ouais. Et en fait t'es obligé de tourner tes joysticks d'une certaine façon, de relâcher après les sphincters pour que ça enclenche ton pouvoir magique. Et ça, je me disais, mais putain, mais ça au pavé tactile, laisse tomber. Quoi. Moi, j'avais fait au pavé tactile, c'était presque infaisable. Après, il fallait avoir une souris quand même à côté. Mais ouais, honnêtement, enfin voilà, moi, si j'avais. Enfin, c'est un putain de jeu, quoi. Est-ce qu'il est pas un peu cher pour un jeu comme ça, tu vois? Honnêtement, non. C'est combien? 70? Bah, il est le prix d'un jeu, quoi. Après, honnêtement, non, parce que honnêtement, la campagne, la durée de jeu n'est pas si ridicule que ça. Honnêtement, elle fait quoi? Allez, en y allant vraiment dedans, en allant fouiller parce que tu veux stuffer compagnie, tu vas y passer 20 heures. C'est pas ouf comme jeu, c'est pas le jeu le plus long, mais l'expérience est tellement là, tu te marres tellement dans ce jeu-là qu'il vaut vraiment
Alors forcément, quand tu l'as moins cher, c'est encore plus intéressant. Mais c'est un jeu qui va, en fait, tu vas trouver ça tellement différent des autres. De tout ce qu'on te propose aujourd'hui, les jeux se ressemblent beaucoup hein, pour la plupart. C'est vrai que lui il ressemble à avoir aucun. Voilà, il se démarque des autres, c'est-à-dire qu'il va prendre un autre aspect. Enfin, tu vas voir. Tu me diras, j'ai pas fait Mario et de la Pancreator, donc je pourrais pas dire. Je veux dire, aujourd'hui, Call of, Battlefield, c'est plus ou moins la même gamme, Rainbow, c'est plus ou moins la même gamme, même si ils ont chacun leur petite différence. Voilà, les jeux de shoot sont très présents. C'est pas un jeu de shoot là. Il y a une histoire, il y a toute une histoire qui est derrière avec tous ces personnages que tu connais et qui sont mais drôles à souhait. C'est-à-dire que vraiment, tu te marques. Kurtman, il est. Énorme. Mais enculé, pourquoi ? Ils ont vraiment été plus loin, ils ont cassé le. Pareil, ils ne faisaient pas dans l'un. Il y a des fois dans des missions. Tu t'arrêtes ta mission, et enfin, ils disent bah, tu te fais gauler par. Moi je me souviens qu'il y a une mission, tu te fais gauler par la mère de Kurtman parce que tout le monde est sorti la nuit pour aller combattre le crime, ils se font gauler, et donc tout le monde rentre chez eux. Tu vas à l'école ? Ils ressortent de l'école, genre oh, salut, t'as fait quoi hier soir? Tu sais, ils sont pas en costume, t'as enlevé ton costume. Et t'as fait quoi hier soir? Oh, rien, j'ai rien fait spécial. Ok, bon bah demain. Puis ils se retrouvent le soir à combattre le crime. Et voilà, je te dis, c'est ouais, ça. C'est complètement. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est dommage que du coup, il n'y ait pas une démo pour les jeux comme les joueurs comme moi. Ouais, ils sont pas forcément tentés pour ça. Tu dois trouver le 1 pas cher. Ouais, mais bon, du coup, faut quand même le payer, tu vois. Voire pas cher du tout. D'ailleurs, il est offert de te essayer et franchement, il est vraiment pas mal. Parce que c'est ça, c'est bah, joli, moi, je pense en plus, joli, t'as un bien. C'est dommage qu'il soit pas sorti sur Switch. Ouais, non, mais ça, c'est con, mais ça en format Switch à cette période de l'année, ça serait vendu. Parce que t'as plein de gamins qui vont se l'acheter là pour Noël. C'est pas pour les gamins. Enfin, plein de. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas. Ouais, je sais pas. Il est politiquement pas du tout correct. Hein. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il est. Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Après, ce qui est pas mal aussi, tu vois, dans les personnalisations, tu peux récupérer la tenue d'Assassin's Creed avec le B-Club, enfin le B-Club et tout ça. Du coup, t'as inclus le Ubisoft Club dedans ? Ouais, t'as inclus dedans, donc tu gagnes des jetons que tu vas pouvoir récupérer dans d'autres jeux Ubi. Et voilà, franchement, c'est. Petit truc à part, d'ailleurs, Ubisoft Club, ils ont changé tout leur truc. Du coup, c'est mieux. Et c'est beaucoup mieux. Ah, parce que c'était dopé. En fait, déjà, pendant un moment, ils avaient déjà changé du coup avec Rainbow. Et là, du coup, ils l'ont rechangé encore. Ils ont tout reformé à l'intérieur avec les jeux et tout. Et du coup, avec Assassin's Creed, je pense que c'est vachement intéressant. Maintenant, tous les jeux Ubisoft, du coup, avec ce truc-là, Ubisoft Club, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que je trouvais ça vraiment dopé. Non, je trouve ça bien. Parce que t'as quand même des trucs à débloquer, t'as des défis. Ouais, puis du coup, ça mettait trop de temps à charger, tout ça aussi. Du coup, après, pour relier tes comptes, c'était un bordel sans nom. Ouais, c'était un bordel. Et là, du coup, maintenant, une fois que tu l'as relié avec ton compte PlayStation Network et Xbox, et le truc ou Xbox, je pense. D'ailleurs, il doit l'avoir aussi. Du coup, c'est directement sur tous les jeux, tu vois. En fait, ça, c'est stylé. Xbox, t'es obligé de télécharger l'application. Ah ouais. Tu télécharges une application, ce qui fait qu'en fait, quand tu veux y accéder, tu vas accéder à l'application, ce qui fait que ça devient encore plus clair parce que dans le coup, là, t'as une application spécifique à Ubisoft. Ubisoft Club. Oh, j'ai du mal à le dire celui-là. Rubik's Cube. Mais ouais, en tout cas, voilà. Moi, si je devais lui donner une note aujourd'hui, je lui mettrais facilement un 16. Pas parce que. Voilà, c'est parce que c'est vraiment un jeu qui sort des codes et qui vient vraiment. Voilà, qui fait du bien. Après, c'est sûr qu'il. Voilà. Honnêtement, ce mois-ci, je vous conseillerais pas de l'acheter en priorité. Ouais. Moi, je l'ai pris parce que voilà, il y a Master League. Ni moi le prochain non plus, tu vois, j'attendrai d'avoir. Ça peut être un jeu qui peut être intéressant au début d'année, tu vois. Il ira sans succès. C'est ça. Je pense qu'il pourra se revendre des. Il y a Sea of Thief en début d'année. Mais t'aurais eu Sea of Thief et ça en face, t'aurais pris quoi? Sea of Thief. Mytho. Si t'aurais pas pris ça. Si, parce que c'est un mytho. Non, mais parce que maintenant tu l'as dans les mains. Ah, je sais pas, moi en tout cas. Bah, si il y a Mytho, je suis sûr que t'aurais choisi l'anal. L'anal? Toujours l'anal. Ça commence à devenir Peggy moins 18 là. Ça te fait rire. Là, ça fait rire. Donc voilà, ouais, moi je sais que tu mettrais 16 parce que le travail il est fait. Ubisoft, ils n'ont pas fait des fainéants à la dernière fois dans le podcast. Ils ont bien bossé, ils sont allés loin, ils ont amélioré le jeu. Bah, sinon, tu n'auras rien qui t'empêchera de redonner une note. Oui, une fois terminé, mais je pense qu'honnêtement, il n'y aura pas. Enfin, de toute façon, à mon avis, je changerai pas ma note parce que l'histoire est vraiment, vraiment très très bonne. Elle est vraiment bien bossée, la campagne est au top. Elle a été bossée aux petits oignons. Il y a rien qui manque, quoi. Tout est là, si ce n'est plus que il y a deux. Tout est là. Tout est. Ah si, moi j'ai un coup de gueule, moi. Coup de gueule, toi. Sur ça, du coup. Pourquoi? Sur le fait de l'upload. Sur YouTube. Le passage. Oui. D'ailleurs, nous on a fait un petit désolé. Je vais l'annoncer avant que tu gueules. Je vais t'annoncer. On a fait un let's play, donc un petit peu moins d'une heure pour moi, qui vous présentait le jeu en détail. Donc d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir parce que ça va vous permettre de. Enfin, c'est pas facile à expliquer comme jeu, donc honnêtement, allez le voir.
Et puis vous pouvez liker tout ça, hein, bien entendu. Non, n'empêche pas. Et en fait, on a eu un souci, parce qu'on avait monté, on nous avait monté une petite vidéo comme ça, bien foutue, qu'on avait réussi à uploader assez rapidement grâce à Monsieur Comard et sa fibre. Et merci Comard. Et donc, on avait fait ça, c'était sympa. Et au final, on a été censuré une première fois par Viacom, alors qu'on n'est pas monétisé sur nos vidéos. Je te laisse la suite. On n'est pas monétisé sur les vidéos et un passage de 45 secondes, mais dans la vidéo de jeu, hein, un passage de 45 secondes où on ne jouait pas. En fait, c'est le jeu qui, tu sais, quand tu joues pas, ça te lance une cinématique. 45 secondes, bloqué dans le monde. Donc, première étape, je rebosse un peu la vidéo, je fais un petit zzz devant. Comme si je retourne chez Monsieur Comard pour la deuxième fois, il n'était pas là. Je passe le code, je me fous devant sa porte comme un con, comme un teubé pendant 20 minutes pour uploader. Le temps que ça s'upload, c'était en traitement, je rentre à la maison, rebloqué dans mon... Putain, sans déconner. Obligé de faire une coupure dégueulasse, c'est pour ça qu'au bout de 3 minutes sur le début de la vidéo, vous avez une coupure de 45 secondes coupée à l'arrache, parce que sur YouTube, quand tu veux couper une fois que ça a été uploadé, t'as pas la timeline que t'as quand tu remontes de la vidéo. Hein. T'es une barre comme as. Et là, on te dit, va fractionner le morceau qui te manque. Ok. Donc, t'as ton curseur. Ok. Et là, tu fais. Donc, on s'en excuse, mais c'est qu'on pouvait pas l'uploader. Donc, moi, Viacom, la société Viacom, je vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est mon passage. Viacom, je t'en prie. Il n'y a pas de spécifique en fait dans ces 45 secondes. Hein, parce qu'on ne monétise pas. Je sais même pas si ces 45 secondes t'appartiennent. Je sais même pas pourquoi tu nous as coupé. Donc, Viacom. Il a fait opposition. Je t'en prie. Je te conchie. Voilà, c'était mon petit passage. Ça va ton passage, hein. J'aime bien quand tu... Donc en tout cas, c'est sur 20, c'est un très bon jeu. Sinon, c'est très bien. À faire, un jeu à faire. Peut-être pas maintenant, mais à faire, ça c'est sûr et certain. Si vous n'avez pas fait le 1, faites-le. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fait le 1. Donc forcément, il y a plein de détails du 1 qui sont là et qui vous rappellent. Et qui vient chercher aussi la fan zone du 1. Et ça, c'est tant mieux. Mais c'est pas inexplicable. Voilà, ça reste... Il y a toujours ce mystère. D'ailleurs, le personnage est vraiment cool parce qu'il y a un mystère sur lui. Le mystère, ses parents nous disent oui, mais machin, naissance, machin, il y a un truc sur lui. Du coup, le personnage que tu utilises, là, il n'existe pas dans la série. Non, c'est Connard. Il s'appelle Connard, Connard. Il parle pas, il est muet. Il est muet. Et d'un coup, les personnages s'agacent. C'est Connard ou c'est Bâtard? Connard. Bâtard? Comme Connard. Non, je crois que c'est Bâtard. Non, je crois que c'est Connard. C'est Connard? Je sais plus. Tu connais pas ton jeu? C'est Connard. Je connais pas le jeu. Connard. Comment ça s'appelle? J'ai un doute. On s'en bat les couilles, bien. On s'en bat les couilles. Bon, en fait, ok, d'accord. Non, mais je voulais pas être précis. Non, c'est bon, ça regarde. Voilà, écoutez, voilà, très bon jeu. Moi, j'ai une notion de squatter tout le temps. Hein. Voilà, très bon jeu. Pense à Spark, les autres jeux, c'est de la merde. Du coup, Comard, tu passes sur ton FIFA 18? Je passe sur mon FIFA 18. Donc, ici, je vous présente la jaquette Switch. Je suis pas sûr qu'il l'ait vu en fait. J'ai fait que la caméra là. Si. Tiens, les présentations de produits. Voilà. Donc j'ai pu avoir la chance de jouer sur Play 4 et donc sur Switch. Ouais, donc deux versions sensiblement différentes. Donc bon, hein, FIFA 18, si on fait un podcast en 2030, en octobre, je vous annonce, je ferai FIFA 30. Moi, t'avais pas fait FIFA 17 l'an dernier? J'ai fait FIFA 17. J'avais fait un peu tard. D'ailleurs, je crois que tu l'avais payé Il a fait payer ses 100 balles. Il est super cher. L'année dernière, j'avais pris une version de luxe à 100 balles. 100 balles, ouais, j'avais dit ça. Et donc, qui sert à la version qui sert à rien. Donc, du coup, cette année, je me suis dit, bon, je vais prendre les deux versions, mais par contre. Une version Switch et une version PS4, mais par contre je ne vais pas mettre les 100 balles de la version Deluxe. Et j'ai bien fait. Donc FIFA 18, très bien, niveau visuel c'est génial, niveau gameplay ça change encore. Ça change encore, c'est plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus dur, il y a plein de choses encore qui s'améliorent, mais ça devient de plus en plus dur. Mais c'est une bonne mouture. Une très bonne mouture. Ouais. La suite de l'aventure Alex Hunter. Du coup, il paraît que c'était mieux sur cette version-là que sur le premier. Ouais. Sur le premier, c'était la première fois qu'il sortait sur. C'était un lancement en même temps. C'était le lancement, donc je pense qu'il voulait voir aussi si ça allait fonctionner. S'il allait y avoir une clientèle qui allait s'orienter vers le titre, notamment pour ce solo. Et donc sur la deuxième version, c'est vraiment intéressant, on garde la même... C'est la suite en fait. J'ai eu ouï dire qu'il n'y avait pas de solo sur la version Switch, c'est vrai? Tout à fait.
Okay. Alors en fait, sur sur le sur cette aventure Alex Hunter, ça reprend en fait le moteur engine Frostbite. Allez, je mesure 25 cm. Oh putain, il est pas grand, hein, c'est un abos, ce mec là. Frostbite, ça fait rire. Ça fait rire, on reste dans la Et donc, Frostbite n'est pas compatible Switch, donc on n'a pas l'aventure sur, c'est sur dommage, Switch. Hein. C'est dommage, mais bon, c'est pareil, c'est une première version sur Switch. La Switch, c'est quand même visuellement. C'est moins bon. C'est quand même moins bon que la Play, la Play et la Xbox et le PC. Ouais. Donc, déjà, qui sort un FIFA, c'est super. Pour les joueurs FIFA en tout cas, bah oui, que, puis, tout ce qui est format portable, ils ont tous abandonné les FIFA, les PES, parce que ça fonctionnait pas. Mmh. Et pourtant, le format portable s'y prête bien, honnêtement. Le format portable, c'est impeccable. C'est pour ça du coup que je l'ai pris. Hein. Et vraiment, je pense c'est pas non plus trop dégueulasse quand on est petit, je pense. Alors après, ça change. J'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu plus d'un FIFA 16, du coup, qui embarquait pas le. Enfin, où c'était le début de Frostbite. Quand il y est. C'était peut-être bien les dernières, la première fois qu'on avait le moteur Frostbite. Oui, ça ressemble un petit peu plus à une mouture 2016, avec la rapidité du 2016. On s'y refait vite au bout de 2-3 matchs, c'est reparti. On a moins de cinématiques, on a moins de. Oui, visuellement, c'est moins bon, mais vu qu'on est sur un écran portable, moi, ça me suffit. Après sur la télé, on s'aperçoit que c'est vraiment moins bon, mais voilà. T'as une grosse télé, t'as une belle télé quand même, donc forcément. Oui, mais bon, pour la télé, j'ai la Play 4, et puis pour la version portable, tu te déplaces. Il y a la version Switch. Faut vraiment la prendre comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je la prends comme ça. Quelqu'un qui est habitué à jouer sur avec des serveurs IA ou tu sais, tu un peu comme l'UbiClub. Il n'y a pas de ça. Bah si, t'as un e-club. Tu peux rejoindre tes comptes et ils voient quand même que t'as les deux versions et ça peut peut-être t'apporter du contenu. Alors sur Switch, du coup, j'ai toujours pas connecté à Internet. Donc je sais pas encore les interactions qui s'y passent. Les interactions qu'il y a derrière. C'est intéressant de savoir si, du coup, si tu peux faire une petite fuite sur de la PS4, elle a un apporté du coup sur ta Switch pour pouvoir faire ça. Bon, une version. En même temps, quand on voit ce genre de franchise, les FIFA 18, on peut pas révolutionner en fait. C'est le genre de truc qu'on peut pas révolutionner. Comme les Madden, comme les NHL, voilà. Changes trop ta version, tu vas choquer la plupart des gens qui s'attendent à avoir la même chose. Mais dès qu'ils ont la même chose, les gens sont choqués parce que c'est plus ou moins la même chose. Est-ce que ça ferait pas mieux de passer, tu vois, genre en mise à jour, une année sur l'autre? Oui, mais il se ferait moins de pognon. Mais oui, c'est toujours été. C'est IA, il cherche de la. Il se ferait moins de pognon. Je sais pas, tu me disais que dans un monde idyllique. Ils ont associé leur porte-monnaie. Pour des mises à jour, parce qu'en plus, ils font pas les trucs genre les événements, genre Coupe du Monde, les machins. L'an prochain, il y a le truc. Bah, il y a la Coupe du Monde l'an prochain. Bon, après, il y a des événements, mais c'est pas des événements genre ils se ressortent. C'est l'an prochain, la Coupe du Monde. Oui. Non. Alors après, oui, t'as des versions Coupe du Monde, t'as des FIFA Coupe du Monde. Ah, t'as des versions Coupe du Monde, c'est même pas un âge où tu vois, c'est une version de Coupe du Monde. Tout à fait. Ah, c'est juste un skin en fait. C'est juste un skin. Bah après, t'as de déplacement de joueurs. T'as tous les. C'est exactement la même chose, sauf que t'as que des équipes nationales, t'as les équipes nationales mises à jour spécialement pour l'événement, t'as les stades, t'as les. En vrai, c'est normal, tu vois, tous les jeux font ça en même temps. Tu regardes Destiny, tu mets une mise à jour sur Destiny 1, t'as le 2, tu vois. De rien, c'est tous les jeux font ça, tu vois. C'est pas tous les ans qu'il nous l'a fait. Oui, c'est pas tous les ans. Il pourrait pas, ça reste pas compréhensible. Rainbow, mais c'est pareil, on se tient tous les ans. C'est un jeu multi. Non, mais ça, c'est une des poules aux odeurs d'IA. Ça, t'aimes bien te faire embaucher. Après, je dis pas. Regarde, il a raison. Regarde, World of Warcraft, c'est une extension, tu payes quand même le jeu. Mais c'était pas tous les ans, les gars. Non, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. Ça, tu fais pas, c'est tous les 6 mois. C'est ça, les gars. Non, pas tous les 6 mois. Bah si, ils sortent des FIFA Coupe du Monde. Après, t'as la version FIFA Euro. Alors après, je sais pas si je sais pas du tout si ils ont prévu d'en sortir une scène. Tu vois, c'est envoyé un peu quand même. Tous les 2 ans. T'es vraiment tous les ans. C'est tous les ans qu'il y a un. T'exagères. C'est comme un Call of, mine de rien. C'est tous les ans. Voilà, c'est ça qui est problématique. Sauf que Call of, c'est. Mais Call of, c'est des nouvelles histoires. Ouais, c'est des nouvelles histoires, gros. Après, quand t'es fan de foot, mec, je peux comprendre. Surtout que le foot en France, c'est qu'en plus, là, c'est français. Je pense que de toute façon, FIFA en Europe ça cartonne, FIFA aux États-Unis ça cartonne pas, c'est Madden, c'est NHL. D'ailleurs, cette année, je voulais savoir la version la meilleure en foot, c'est PES ou c'est FIFA 18 ouais, toujours... répondez, ne soyez pas timide, allez-y. FIFA, ouais. Parce qu'ils avaient dit que c'était PES qui revenait cette année.
Loupé. Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Non, ça fait 3 ans qu'ils disent qu'il y a rien, mais ils essayent de revenir, mais il y a des... Non, le retour, ça fait longtemps que c'est... J'ai l'idée qu'il y a joué un petit peu, non, ça change trop, c'est pas... Pour moi, c'est pas au niveau. Visuellement, c'est très sympa. PES, c'est vraiment très joli. Mais après, c'est au niveau du gameplay, c'est beaucoup plus arcane, c'est plus... Ouais, puis qui a jamais joué, tu mets 10-0 à ton pote. Ah oui. Ouais. Alors que cette version-là n'est pas évidente et il y a encore plein de choses à améliorer. Les pénaltys, c'est de la merde, les défenses sont pourries. Ils ont été obligés de mettre un patch au bout d'une quinzaine de jours parce que peu importe d'où tu tirais sur le terrain, c'était but. Ouais, t'avais pas mal de bugs, mais ça pour ça, tous les FIFA, mais c'est vrai que t'avais quand même pas mal de bugs dans tous les jeux, enfin, t'avais des patchs. Oui, ça qui est des bugs, c'est un peu normal. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus dur que le premier, enfin plus dur que le 17, vu que j'ai fait qu'un seul match avec, donc je peux pas trop en dire non plus, mais c'est vrai qu'au niveau de la défense, c'est un peu plus ghetto. Au niveau des passes aussi, du coup, ils prennent plus part sur le fait, en fait, si t'es de dos, bah du coup, tu vas plus. Bah, tu pousses le réalisme, donc automatiquement, sans réalisme, tu. T'es obligé de construire, vraiment de construire ton jeu. T'es plus dans on fait des passes, hop, une petite passe en profondeur, on arrive devant le but, on tire, il y a lucarne, c'est sympa, c'est joli. Ouais. Là, on est vraiment sur du. Déjà, sur le 2017, ça avait commencé sur le 2016, où vraiment, bah, si t'es. T'es dos au but, faut revenir derrière, faut passer à un joueur qui a le champ de vision. Mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'en fait, EA, alors, c'est un truc que je comprends pas. C'est que EA, ils vont te revendre, c'est les pros pour enculer du monde et en même temps pour se faire enculer. Parce que quand tu regardes sur l'EA Access sur Xbox, un an plus tard, donc tu payes 3 balles par mois, hein, un an plus tard, t'as la version de FIFA mais gratos quoi. Et tu l'as pour 3 balles quoi. Ouais, mais c'est fait que tu l'as pour 3 balles. Mais à côté de ça, ils vont. 3 balles par mois. Et les gars, vous regardez sur l'année, ça fait du 36 euros. Quoi. De 15 euros, il a 34. Ouais, non, mais pour 30 balles, t'as je sais pas combien de jeux de EA Access, t'en as pas qu'un quoi. Ouais, mais tu les as à la bourre. C'est le genre de jeu. Ouais, mais par exemple, pour un FIFA, tu vois, qui joue pas au foot, enfin, qui joue pas ou très peu, enfin. Moi, j'y joue juste pour pas me prendre des branlées au foyer. Ce que fait très bien EA, et ça, ils le savent. C'est pour lancer 4 matchs dans l'an. C'est quand même tout ce qui est le moteur Frostbite, quand même, franchement, sans déconner, il cartonne. Et c'est celui qu'ils ont sur Star Wars. C'est clairement, c'est ce qui fait le plus EA. Et je sais très bien que sur les FIFA, et beaucoup même sur les NHL maintenant, ils commencent à le faire un petit peu. Mais les FIFA, en tout cas, ils prennent les joueurs et ils leur font mettre des capteurs pour essayer de capter le maximum de leurs mouvements et compagnie. Donc, tu vas beaucoup plus loin dans le réalisme du football. Si tu prends le FIFA, même aller sur les. Il y a 5 ans, les joueurs font pas du tout la même chose sur le terrain. Ils viennent pousser le réalisme. Quand tu regardes les vieilles versions de FIFA, quand même, tu sens qu'il y a une augmentation. Demande à Fredo. C'est juste que nous, d'une année sur l'autre, on voit pas le upgrade en fait. On les a vus sur certaines versions quand on est passé au nouveau moteur par rapport à l'ancien. C'est pour ça que justement, passer de la version Switch à la version Play 4, on s'est vraiment rendu compte de ces nouveautés. Après, t'as plein de petites choses qui rajoutent. Après, est-ce que ça justifie 70 euros? Oui et non. Sur Switch, il était à 49 euros. Ah bah ça va, ça passe. Enfin, oui, non, c'est correct. Chez Auchan ou chez Micromania? Chez Auchan. Chez Micromania Zing. À Mammouth. Chez Micromania Zing, prochainement. Sinon, quelques petits ajouts sur le FIFA Ultimate Team, qui sont super sympas, avec des petites animations quand on pack des joueurs sympas. Ce qui arrive quasiment jamais. J'étais là quand j'ai ouvert un pack et il espérait voir un petit. Un Ronaldo, et puis bah, tu te tapes un Imbula. C'est bon. À 65. Voilà. Sinon, petit coup de gueule sur la communauté FIFA, hein, parce que franchement. Vous êtes des enculés. Ouais, franchement, la plupart du temps, c'est des enculés. Non, mais t'as rarement affaire à un type qui, face à toi, veut jouer au football, veut jouer à un jeu quoi. T'as souvent des types qui jouent les cacous, tu reconnais direct les types qui comme moi se prennent des 5-0 et puis bah là ils tombent sur moi, donc du coup ils gagnent, donc c'est leur première victoire depuis 10 matchs. Puis là les types ils font les marioles, les petits roulettes, les petits machins, des jeux jonglent dans ma surface. Ça fait chaud, ça c'est bien. Ça ça le micro et je vous insulte les gars. C'est sympa déjà, tu coupes le micro. C'est sympa, tu pourrais ne pas le couper quoi. Non, il met le micro. Oui, là je mets le micro. Ah, tu mets le micro. Allez vous faire enculer. Non, la communauté, franchement, c'est rare de tomber sur des types qui, bah voilà, t'es là pour jouer au football. Une fois qu'il y a 1 ou 2-0, bah, le but du jeu, ça va être de mettre des beaux buts ou de faire quelque chose de sympa, quoi. Progresser ensemble. Voilà, prendre la main dans la main.
Alors ça va être du 36-0 avec que des petites passes à la con, enfin bref, ça c'est un petit peu chiant. T'as toujours le système de classement avec ton flux, de toute façon ça c'est pas oui, changé. Oui, t'as les saisons, t'as les foot champions, t'as un tout nouveau système aussi qui est très sympa. T'as en gros par jour, il me semble, donc c'est 4 équipes qui ont été confectionnées par la communauté, donc des types de la communauté. Et toi, tu décides de faire un match contre ces équipes-là. Donc c'est un match en solo, c'est-à-dire que tu joues pas contre quelqu'un en ligne. Tu vas choisir ton niveau de difficulté. L'équipe de la semaine, entre guillemets. C'est pas une équipe de la semaine, c'est vraiment une équipe que quelqu'un va choisir de faire avec n'importe quel critère. Okay. Et donc tu choisis si tu veux jouer en niveau légende, niveau pro, etc. Et donc selon le niveau que tu prends, tu vas gagner un certain nombre de points. Okay. Et donc ces points-là vont permettre de monter certains niveaux. Et donc à chaque fin de semaine, c'est remis à zéro. Et donc selon le niveau dans lequel tu étais, tu vas packer, tu vas avoir des packs de cartes, des crédits, etc. Donc c'est très sympa, ça change, ça permet d'assez facilement récupérer des crédits. D'accord, c'est bon ça. Ouais, donc ça c'est assez sympa. C'est cool ça. Donc bref, une version correcte, je dirais. Je lui mettrais Je lui mettrais 14 sur Play 4 et j'irais plus sur du 16 sur Switch. Ah bah putain, je pensais que ce serait le contraire du coup. Tu mettrais un 16 sur parce qu'il y a les nouveautés du portable. Voilà, t'as les nouveautés, puis tu pars pas du même. L'acquis est pas le même. Là, tu pars sur un nouveau système, t'es sur du portable. Pour du portable, ça fait le job. Est-ce que d'ailleurs au Joy-Con, c'est pas trop chiant à jouer ? Non, parce que toi, t'as pas de manette à côté, toi. Ouais, non, j'ai que les Joy-Con et c'est impeccable. Ça change un petit peu de la version Play. Je suis sûr, direct, ça passe. Ça sûr, parce que sinon, on va t'acheter une manette maintenant. Donc voilà, après, c'est vraiment le genre de jeu où je me dis, sur le 2019, comment ce sera possible de mettre une note plus importante que 14 ? Va falloir nous surprendre. Et comment nous surprendre sans trop nous choquer, c'est un petit peu la difficulté de ces jeux-là. Donc on verra. Très bien, chef. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on est sur IE, moi je peux repousser un coup de gueule ou pas? Il nous fait chier. Non, mais c'est chiant, je sais pas si vous avez vu. Visceral Game qui ferme. Oui! Le studio de Dead Space. Ah ouais, putain, j'ai trop la haine, mec! Chaque année, tous les ans, je marque Dead Space 4 dans les pronostics pour le 3. Ou Dead Space, une refonte de Dead Space. Et bah, je suis deck, je l'aurais jamais. Et en plus, j'ai appris que dans la foulée, Dead Space 2, la saga Dead Space avait été un four pourri. Mais alors? Donc ça veut dire que je n'aurais jamais Dead Space. Tu sais, c'est un peu comme les sagas que j'adorais quand j'étais gosse. Prince of Persia. Terminé. Dead Space, fini. Je suis trop naïf. Dead Space était cool en plus. Non, Dead Space c'était super cool. Et je sais pas si vous savez, c'était le studio qui était sur le nouveau Star Wars. Celui que t'allais avoir en solo. Ah ouais? Bah il y aura pas. C'est fini. Ah ouais, grosse quenelle. C'est terminé. Grosse quenelle, les gars. Pourquoi ils le ferment du coup? Pourquoi ils le ferment du coup? Parce que c'était un faux financier. C'était pas pour eux, ça leur apportait pas d'argent. Et ça fait un mois qu'ils ont rien sorti chez Visceral Games. Mais putain, en même temps, si les types, ça fait un an et demi qu'ils se vendent la nouille. C'est clair. Non, mais tu sais, il y avait une manette chez Naughty Dog. Ça va, les gars, vous allez venir. Ah ouais, sur une version. C'est vrai que tout ça, c'est fini quoi. On fait des réunions. Et je trouve aussi, d'ailleurs, pour en revenir un peu sur le sujet, en ce moment, il y a vachement de trucs qui changent. Tu vois, des gens qui sont partis de studio. Il y a un mouvement là. Naughty Dog, t'as vu, j'ai peur de personne qui est parti. À la fois je me dis yes parce que ça c'était une putain de licence phare pour Sony, donc je me dis yes, tant mieux, mais à la fois ça me fait chier parce que j'ai acheté ma PlayStation uniquement pour The Last of Us 2 et uniquement pour Naughty Dog, donc ça me fait un peu chier. Mais ouais, moi j'ai peur parce qu'il y a beaucoup de monde de chez les meilleurs, enfin les très très bons de chez les bons de Naughty Dog sont partis, donc après ça veut peut-être dire qu'il y a une ambiance, peut-être aller chez FIFA. Ou alors chez Xbox, peut-être chez Microsoft. Non, il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Entre 143 Industries, il y a de l'argent. D'ailleurs, il y a de l'argent, mais il va faire un petit lien. Il y a 343 Industries, boss, refont à nouveau la Halo Master Chief Collection et la boss pour la Xbox One X. Encore? Non, mais pour elle, pour la Xbox One X, pour qu'elle soit encore un peu plus jolie sur Xbox One X. Donc ça, c'est mieux, c'est bien, c'est tant mieux. Allez-y. Moi, en tout cas, tu vois, je suis bien deck pour Yé. Donc moi, deuxième coup de gueule, Yé, vous faites chier à fermer les bons studios, quoi. Ouais, mais si, n'importe quoi en même temps. Ouais, mais sans que tout le monde tout dans les prochaines moutures de FIFA. Il faut y croire, regarde par exemple, c'est con à dire. Tu vois, tu prends l'exemple d'Ubisoft, qui en plus de ça est un peu en dents de scie avec cette histoire d'actionnaire, avec Vivendi qui est là derrière son cul. Mais putain, mais qui laisse le temps à. Assassin's Creed d'une année en jachère. Il laisse le temps à. Putain.
de prendre le temps à Michel Ancel de bosser là-dessus, alors que pourtant... Surtout qu'en plus, il veut partir sur Rayman 4 maintenant, PP. Ouais, mais parce que ce jeu-là, c'est clairement... C'est la fête, quoi. Parce que ce jeu-là, il est clairement pas adapté pour les autres, pour ces consoles-là, à mon avis. Peut-être bien pour la Xbox One X, parce que c'est un monstre, mais pas pour la PS4 Pro, et ça, c'est dommage pour elle. Donc, ils veulent pas faire de jaloux, donc ils vont attendre la prochaine génération. Voilà, ça va être ça... On est obligé de... Bah moi en tout cas je suis bien d'être. Il y a un esprit éducateur dans chez Ubisoft. Il laisse la possibilité aux handicapés du groupe de revenir dans la game et puis d'avoir égalité quoi. MDPH quoi. Non, je parle de la PlayStation. Ils ont une affiliation MDPH avec la PS4 Pro. Voilà. Ils ont une reconnaissance qualité des travailleurs handicapés. Totalement. C'est le conseil général qui paye pour tout ça. Voilà. Départemental. Merci. On change. Voilà. Voilà, pardon, c'était l'interne. Donc voilà, moi c'est, je repousse un coup de gueule pour Yé. Très bien. Ah, mais du coup, c'est à moi en plus. Oui, du coup, c'est à toi, ça t'a fait Alors, est-ce que je peux reprendre ton truc parce que j'ai toujours un doute sur la sortie. Il faut ton code spécial là. Non, la sortie. Oh. Donc, moi, je suis parti sur ce mois-ci. The Evil. C'était pas ça, moi, c'est le deuxième studio. Enfin, le deuxième studio développement. Tango. Voilà, moi, chaque fois, je me poussillonne dessus. Tu me dégueules dessus. Enfin, sur ta chemise. Sur ma chemise, merci. Que je t'ai volé ce matin. Cordialement. C'est chiant d'avoir un frère à domicile. Donc ouais, moi je suis parti sur The Evil Within 2 ce mois-ci. Donc The Evil Within 2, la suite de The Evil Within 1. Non, arrête. Si, je vous jure. C'est développé et produit par Bethesda et Tango Gameworks. C'est ça. Il est sorti le 13 octobre 2017. Donc c'était un vendredi 13. Un jeu d'horreur. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ils avaient fait toute leur com' autour du vendredi 13. J'ai joué à l'euro million, j'ai perdu comme une vraie merde. Et j'ai claqué 15 balles pour gagner à l'euro million ce jour-là. Quoi. 15 balles pour perdre. J'ai gagné 4 balles à un astro. Mais bon, ça m'a fait claquer comme 17 balles en tout. Quoi. Donc l'économie, pas bonne. Quoi. Mais bon, j'ai pu jouer du coup à The Evil Within 2. Donc vous suivez de nouveau. Les aventures de Sébastien Castellanos, l'inspecteur Bastian. Il est pas du tout typé espagnol. Les origines, tu sais. Encore un numérique. Ouais, mais tu vois, mais c'était encore plus flagrant. Il a sorti rien. C'était encore plus flagrant, tu vois, dans le 1, parce que Sébastien Castellanos, tous les personnages qui l'entouraient, il faisait très mignon. Et du coup, lui, il faisait très style européen. Donc t'avais tous les personnages autour qui faisaient très très nippon et lui qui faisait très européen, ça faisait un peu tâche. Mmh. Voilà, ils font tous un peu européen dans le 2, hein. Ils ont dégagé l'aspect nippon. D'ailleurs ils ont dégagé pas mal de trucs. C'est peut-être plus simple à développer. C'est vraiment politiquement correct ce soir. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait commencé par South Park et le Frostbite derrière. Je vais te dire, c'est ni bon ni mauvais. Voilà. Ça aurait pu être une connard celle-là. L'action ne se passe plus à l'hôpital psychiatrique de Beacon. Vous êtes. Beacon. Pas Bacon, mais Beacon. C'est avec un E-A. C'est E-A. Et alors, l'histoire. Si jamais vous aimez les trucs très psychédéliques, que vous avez joué au premier, hein, quand même, je conseille d'avoir joué au premier. Mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin. Parce qu'en fait, l'histoire du 2, c'est la suite. Mais en gros, là, vous êtes à la recherche de votre gamine Lily qui avait été enlevée. Enfin, qui a disparu, qu'on croyait morte depuis des années. Mais enfin, sympa pour dans le 1, sans déconner. Ça prend 3 lignes. Jouer, je savais pas. Dans l'histoire du 1, en fait, l'histoire du 1 n'a rien à voir avec l'histoire du 2. Enfin, à part la machine, le STEM, qui fait que du coup, tu vis des cauchemars, tu vis dans un monde un peu à la Matrix. Le STEM, voilà, c'est une machine. Le STEM, c'est une machine qui te permet d'être dans un autre monde où tout peut être possible, mais où en fait, toutes tes personnalités peuvent désinguer le monde, quoi. Ok. Pour faire très gros parce que c'est très très psychédélique. Et en fait dans le premier tu te retrouvais dans cette machine sans le savoir. Là tu sais que la machine existe, donc on te renvoie dans cette machine parce qu'a priori ta gamine est dedans. Et il fallait la re-sauver. En fait elle fait partie du noyau et en fait c'est elle le noyau et puis il fallait la libérer et t'as plein de mecs très très chelous à aller affronter entre temps. Ta fille est un noyau. Ma fille est un noyau. C'est pas... Et après... Imagine le conceptualiser, tu vois, un aspect psychique. Donc tu vois un peu comme si t'avais plein de couchettes et au milieu t'as un gros tube et ta fille est dans ce noyau là, mais pour pouvoir aller la récupérer, faut d'abord aller dans ce monde pour pouvoir la déconnecter de ce noyau, pour pouvoir l'extraire du truc. Oh putain. Ce
Skynet. Mais ça, je vous fais un truc qui m'est très rapide. Hein, et encore, je suis même pas sûr d'avoir tout compris à tout. Et pourtant, j'en ai fait deux épisodes. Matrix, ça a été un carton. Et pourtant, on a fait tout. Ouais, voilà, Matrix, on a pas tout. Enfin, le premier, à la limite, on peut essayer de le comprendre. Mais 2-3, c'est vrai chiasse, quoi. Mais bon, voilà. Je veux dire, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait le premier pour faire le 2. Parce que dans le premier, ce qui vous amène aux deux, ça prend trois lignes. Hein, et ça prend peut-être une minute dans le jeu du 1. Où il dit de façon très nonchalante, ouais, j'ai perdu ma gamine et ma femme s'est barrée. C'est un peu dopé du coup. Bah, non, parce qu'en d'un côté, si tu lui dis une suite qui est un peu différente du premier, ouais, t'es obligé de repartir sur un arc scénaristique. À la limite, bon, c'est très bien pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier et qui veulent découvrir, quoi. Et qui vont se dire, tiens, je vais faire le premier. Alors... Quand j'ai lancé le deuxième, graphiquement, je trouvais qu'il y avait un truc qui avait changé. Et ben, il m'a fallu 13 heures pour comprendre d'où ça venait. C'est qu'en fait, dans le premier... T'avais éteint ta télé. J'avais pas le courant. J'avais pas le courant. Et du coup, je me disais, putain, mais je peux pas jouer. C'est au bout de 13 heures, c'est vraiment très sombre. Quand même. Non, mais au bout de 13 heures, quand vous avez fini l'aventure, en fait, on vous débloquait donc, tous les costumes du premier, les machins. Et là, on te débloque l'aspect cinématique, cinématographique. C'est qu'en fait, dans le premier, j'avais complètement oublié, c'est que tu joues pas en plein écran, tu joues avec deux barres noires. Tu te rappelles pas, Ringo? Ah, ouais, les bandes, ok, d'accord. Deux bandes noires. Putain, ça va être chiant à jouer. Ah bah non, c'était génial, je trouvais que ça faisait un. Ça apportait un aspect très cinématographique qu'il n'y avait pas dans le 2 où je me disais, mais putain, mais il y a un truc qui a changé, je sais pas quoi, mais graphiquement, c'est plus le même. Et alors, déjà, il est beaucoup plus clean que le premier. D'ailleurs, c'est un truc. Un avantage et un défaut. C'est-à-dire que dans le premier, je trouvais que ça faisait tellement dégueulasse, mais dans l'asile, très dégueulasse. Ça faisait un jeu qui sentait la MST, quoi. Sentait la Non, mais tu voyais qu'autour de toi, c'était dégueulasse, qu'il y avait du sang partout, que l'image était cradoche. Et ça avait un aspect mais visuel, mais génial, quoi. Tu avais l'impression de sentir toutes ces MST, d'être derrière un camtar tout dégueulasse, quoi. Ouais, comme si t'allais chez les putes, mais en dégueulasse, quoi. Enfin, j'y suis pas allé, mais... Oh, très peu voilà, ça va. Vous n'avez pas d'humour, hein, les gars, vous n'avez pas d'humour. Et tu vois, je savais pas ce qu'il y avait dans le deuxième qui faisait que... Je trouvais que l'aspect graphique, il y avait un truc qui avait changé, quoi. Ouais. Bah, il m'a fallu 13 heures pour comprendre qu'en fait, ils avaient changé et le skin et que j'avais plus les deux barres. J'étais en plein écran. Ouais, j'étais en plein écran. Mais bon. Du coup, je le referais, je pense, en... mode de difficulté. Ah, tu peux changer du coup et puis mettre. Ah non, ah bah après, oui, tu peux rechanger et repasser en mode cinématique. Ah ouais ? Ouais, tu peux le refaire en fait. Avec le. Bah, en fait, il te le débloque, je suis presque sûr, juste pour que tu te le refasses. Ouais. Mais avec en plus cette fois-ci le costume de l'inspecteur du premier. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, donc pour ce qui est du gameplay, c'est du copier-copier du coop. Ah, yeah. Du copier-copier du copier-copier. Copier-copier, couper-coller. Copier-coller du premier. Vous récupérez à peu près les mêmes armes. Donc vous avez l'arbalète à carreaux avec différents carreaux. Donc l'électrique, le feu, enfin l'explosif, les arpons normaux. Et il y en a un autre. Ah si, celui qui peut te glacer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après vous avez tout ce qui est flingue. D'ailleurs vous pouvez récupérer le flingue que vous aviez dans le premier. Donc, mais ça c'est juste en changement de skin. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait à un moment tu débloques un truc et ça va te redonner en fait. Il va dire ah putain mais c'est mon flingue et du coup tu peux aller récupérer ton skin directement dans tes armes et échanger. En fait ça change pas par exemple tes modifications que tu peux apporter à tes armes. Parce que chose à savoir c'est que comme dans le premier vous pouvez améliorer vos armes. Mais cette fois-ci ça a été mieux bossé. Vous avez plus de niveaux pour augmenter vos armes. Et plus... Last of Us, quoi. Là, c'est clair. Alors, je vais te dire, c'est un combo. Semi, du coup, c'est non, mais ce jeu-là, c'est le combo de tout ce qui se fait dans le style survival. Mm. Ça veut dire que tu vas voir, c'est clairement, enfin, tu vois clairement que c'est celui qui a fait Resident Evil 4 qui est aux commandes aussi encore de celui-ci. C'est Shinji Mikami, il est encore aux commandes, enfin, même s'il n'est plus le directeur et les producteurs sont celui-ci. Il galère à dire copier-coller et Shinji Mikami, je te le sors. Comme ça. Oui, parce que j'adore ce qu'il fait. Et du coup, tu sens que c'est exactement ça, quoi. Après, tu as du The Last of Us, mais clairement, ça va être tout. Tu peux, contrairement au premier où c'était réellement couloir, là vous avez réellement une ville, donc là vous êtes à Union, et vous avez donc, vous devez accéder à différentes parties, et en même temps par-dessus se greffent des quêtes annexes où vous devez aller par exemple récupérer des points de résonance, où du coup en fait ça va vous indiquer un peu plus de ce qui s'est passé avant dans votre vie, ou qu'est-ce qui vous a amené à Union, qu'est-ce qui s'est passé à Union avant. Pour que ce soit un peu moins le bordel. Coup, mais ça, vous n'êtes pas obligé de les faire, ouais. À la limite. Mais bon, moi, je vous conseille de le faire parce que. Ça donnait un peu. Non, mais parce que dans The Evil Within 2, de toute façon, comptez vos balles, les gars.
c'est pas l'éclate. Faites pas les fous, quoi. Ouais. Et je peux te dire qu'il y a des moments où tu pètes des câbles parce que tu dis, mais sans déconner, les gars. Et tu sais clairement quand il va y avoir un boss. C'est comme dans les vieux Resident Evil. Là, quand tu vois que juste devant toi, on te file trousse de soins, seringue de soins, 3-4 balles, 6 balles de pompe, machin, tu dis, ouh, ça sent pas bon du cul. Et bah, clairement, tu derrière. Tu t'amuses pas à les tirer comme ça pour essayer de voir si le décor est fait. Non, mais moi, par exemple, tu vois, mais non, mais moi, ça m'est arrivé à un moment de me dire, putain, je suis au flingue, c'est bon, de toute façon, j'ai rien à craindre, je suis large en plus. Réalisme. Sauf que j'étais sur le fusil à pompe où j'étais tendu niveau balle, et j'ai pas fait gaffe, j'ai tiré 3 bassos. Je fais, ah non! Non, non! Et là, là t'es baisé quoi. T'as recommencé le jeu du coup. Non, j'ai pas recommencé. J'en ai chié, il y a des phases où j'en ai réellement chié, où je me dis, putain, mais sans déconner quoi. Merde. Et ah si, chose qu'il n'y avait pas dans le premier, c'est qu'on vous je crois qu'on vous le proposait pas dans le premier. C'est l'aide à la visée. Alors clairement, c'est, ça a été fait avec le cul. Enfin, on te le propose, je l'ai pris. Ça marche pas. Clairement, ça marche pas. Ah oui. Hein, c'est... Bon, j'ai pas du mal en même temps, ce serait pas drôle. Ouais, mais bon, à la limite, on te le propose pas parce que tu vois, je m'étais mis en normal en me disant, bon, à la limite, c'est sûr que tu l'as essayé sans l'aide à la visée. Pour moi, je l'ai pas désactivé. Bah, essaye de voir, sauf que tu vas te rendre compte que c'est encore plus ghetto et tu vas dire, en fait, si, il a l'aide à la visée là. Ouais, ça se trouve, des fois, en fait, c'est quand tu vises, t'auras un petit ralentissement au niveau du perso. Des fois, c'est un tout petit. Du coup, t'as en train de critiquer un truc. Alors bah, moi j'ai trouvé que c'est. Non, mais par exemple, tu vois, on te le propose dans plein d'autres jeux, l'aide à la visée. C'est vrai que je critique ce soir, j'ai motivé ce soir. Mec, dans la vraie, qu'il avait pas ce choix-là, hein, t'avais rien du tout. Mais d'ailleurs, c'est ce que je me disais, en fait, je comprends pas que tu l'effaces pas, toi. Toi qui as adoré Alan Wake. J'avais adoré Alan Wake, mais mec, il m'avait tellement angoissé ce jeu que. Bah alors, tiens, tu peux perdre tous ses côtés. Si, si, c'est très psyché, au niveau histoire, tu peux vraiment te retrouver comme Alan Wake. C'est vrai que moi j'avais essayé. C'est juste que dans Alan Wake, bah. En fait, The Evil Within 2, il s'inspire aussi beaucoup en fait, de ça. Le problème que j'ai avec ces jeux-là, j'adore les faire, hein, quand je suis dedans, je suis bien. Mais le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est que ça m'angoisse d'y aller. Je sais que je vais être angoissé dans le jeu, donc je me dis, ah, alors, quand je suis dedans... Autant le premier, tu vois, je me rappelle, je l'avais fait avec toi parce que j'avais aussi les pétoches. Le 2, il te fait pas peur, hein. Enfin, il te fait beaucoup moins peur, en fait. T'as plus les méchants charismatiques que tu pouvais avoir dans le premier. Le premier, ça démarrait, t'étais dans l'asile. 15 minutes plus tard, t'avais un mec avec une scie qui était en train de te courir derrière dans l'asile. Et toi, t'étais en train de courir et tu bouffais les chariots. Une espèce de boucher, non, c'était ouais, un boucher taré. Et puis t'avais même un mec avec une caisse sur la tête qui comprenait pas. Il était en train d'essayer de te niquer avec une hache. C'était un bordel pas possible et c'était dans un aspect très très cradoche, quoi. Et t'avais un méchant qui spawnait un peu n'importe où et tu voyais sur les cinématiques, tu faisais. Oula, lui, il a l'air réellement méchant. Là, dans le deuxième, t'as pas de méchant aussi charismatique que dans le premier. Ou un mec qui te fait réellement peur. Parce que il y a trois grands boss dans celui-ci. Ouais, trois grands boss. Il y en a un que tu peux quasiment éliminer. Le premier, je dirais que c'est celui qui pouvait avoir le plus de charisme. C'est un mec un peu bizarre qui vous prend en photo et tout. Non, c'est un mec. Qui a d'ailleurs la voix de T-Bag dans Prison Break. Donc, du coup, je trouve que le personnage, il pourrait être génial et il pourrait réellement l'exploiter en tant que méchant, mais vous l'éliminez en 4-5 heures. Donc là, c'est chiant, et après, on vous file un autre méchant qui sert à rien. Mais clairement, il sert à rien. En fait, il fait pas peur. Mmh. Donc c'est un peu emmerdant pour un survival horror. Il y a une nana qui vous fait peur, mais où là, réellement, vous avez réellement les jetons, et où je faisais pas le malin, parce qu'en plus, c'est super bien bossé sur la PS4. C'est que donc dès qu'elle s'approche de toi, tu l'entends dans ta manette. Non. Et donc du coup, t'entends Sébastien. Et dès qu'elle chope, ça one shot. C'est fini. Ah ouais. Donc, tu peux avoir beau améliorer toute ta vie ton machin, c'est du one shot. Elle te chope, c'est fini. Ah, c'est que tu te caches dans les casiers et tout quand tu. C'est ça. Et elle te viole, mais comme jamais. Et du coup, t'as toute cette ambiance sur la manette PS4, t'entends. Et là, tu dis non. Et du coup, t'as l'œil qui est affiché parce que ça veut dire qu'elle voit. Donc là, t'es putain, faut plus qu'elle me voit. Je trouve ça dommage, c'est-à-dire qu'ils le fassent pas sur plusieurs jeux, les trucs avec la manette, parce que c'est dommage. Ah bah, ça, c'est génial. C'est vrai que le DualShock de la manette PlayStation, elle a cet avantage-là, c'est pas assez bossé. Mais c'est comme le pavé tactile, il sert à rien le pavé tactile, la PS4. Très peu. Jamais. Donc en vrai, le plus utile sur la manette, je trouve que c'est pas mal sur notre manette, c'est la lumière. La lumière. Du coup, t'as réussi avec la lumière ou pas? Elle change de couleur des fois. Donc elle est verte. Oh, il n'y a pas trop d'effets. Sur certains jeux, des effets, ça donnait un peu genre quand tu as. Je suis même pas sûr que ça t'enlevait la. Je sais pas si ça passait rouge quand on t'enlevait de la vie. Je suis tellement en panique quand c'est comme ça que. Déjà, tu vois, je vois que je suis en PLS. C'était. Dernier jeu là que j'ai fait gratos.
pas votre classe. Le jeu qu'on a fait là. Gotil. Ah, le zombie. Non. Le jeu qu'on a fait avec les choix multiples là, Until Dawn. Until Dawn, parce que c'est un studio Sony, donc ils exploitent toutes les capacités de la console. Ça, c'est dommage, il faudrait qu'ils le fassent sur plusieurs jeux, même des équipes. Non, mais il y en a plein où ils pourraient utiliser le haut-parleur que t'as dans la manette. Moi, j'avais complètement oublié que j'ai un haut-parleur dans cette manette. Donc, quand j'ai lancé The Evil Within 2, j'entendais Sébastien, je faisais putain la gueule, elle est dans ma manette, elle est dans ma chambre, putain, elle est dans ma bio. Ça m'a coûté deux manettes. Non, mais, elle ressemble réellement à la méchante dans The Grudge. C'est ça, c'est la méchante de The Grudge. Mais ça te fout, je l'ai comme jamais. Et elle, ça pourrait être. C'est pas assez exploité aussi. Donc, ça, c'est dommage. T'as des petites phases où, du coup, t'es réellement en tension parce que tu dis putain, elle me chope, je suis en PLS, c'est fini. Et à côté de ça, t'as d'autres boss quand même, t'as pas que... T'as quatre grands boss, mais du coup... Après, t'as plein de petits méchants, des méchants où du coup, faut que tu sois très, très discret pour essayer de les niquer, pour éviter de niquer tes bastos. Faut que tu les attaques par derrière, exactement. En fait, il ressemble beaucoup à The Last of Us, parce que à un moment, je me suis dit, putain, on dirait un claqueur. Ouais. Oh, je sais plus ce qu'il faisait là, c'est ça. Et du coup, là tu sens que c'est quand même bien inspiré quoi. Voilà pourquoi j'ai acheté ma Play, j'ai toujours pas. Mais c'est le seul. En plus. C'est con. C'est con, vous avez encore le système pour améliorer vos compétences, où du coup vous avez des différents arcs, où vous avez la santé, l'endurance, l'agilité, le combat, vitalité. Compétences, tous les jeux le font maintenant. Du coup, plus vous battez des ennemis, plus vous récupérez du gel vert, et plus vous récupérez du gel vert, plus vous retournez sur la chaise roulante avec la nana d'Arrêt de l'Asile du premier qui vous fait des trucs bizarres. Et puis voilà. Donc, moi, si je devais le noter là, parce que moi je l'ai fini, contrairement à ces deux blancs. C'est un jeu en 15 heures, mec. 14. Il est aussi long que ça se passe. C'est clair. Oui, c'est vrai. Mais il est pas... mais je pense que je vais y retourner moi, sur celui-ci. Du coup, tu le refais en difficulté max. Samy veut le faire aussi. Ouais, je le refais en difficulté max, mais sans l'aide à la visée. Alors, quelle note ? Jeu Bethesda. Donc, moi, jeu Bethesda, je trouve qu'ils ont très très bien bossé. J'adore la licence de Evil Within. Alors, par contre, il y a plein de trucs où ça me va pas. Le fait que ce soit peut-être un peu trop simple parfois, et parfois, juste après, on va t'enchaîner sur une phase très compliquée. Donc parfois le jeu est un peu inégal. C'est-à-dire que tu vas vraiment très en chier parce que. Ouais, je sais pas. T'es en normal aussi, moi. En normal. Essaye, en difficulté. Ouais, mais tu vois, dans le premier, ce que j'aimais bien, c'est le fait d'avoir tout le temps peur. C'est que dans cet asile, j'étais tout le temps flippé comme jamais. Et là, j'ai pas peur à une Du coup, c'est plus l'ambiance, c'est pas la difficulté. Parce que même quand t'étais dans le jeu. Ouais, mais du coup, l'ambiance, en fait, avait un rôle sur ta façon de jouer. C'est que du coup, tu stressais tellement plus. Tu t'étais plus tendance à faire des conneries. Et le 1, en plus de ça, même dans les endroits où t'étais safe, c'est-à-dire dans l'asile, t'étais pas safe parce que t'avais l'espèce de réceptionniste qui était vraiment chelou. Le thème, de la musique est toujours là. Et ça, c'est génial. Le thème de la musique, un peu, je sais même plus ce que c'est comme morceau qui joue à chaque fois. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ouais, si je devais lui donner une note, je mettrais 16. Parce qu'il a. Ça, c'est pas mal, parce que c'est un bon maxi best-of de tous les jeux d'horreur survival, c'est un bon mix de tout ça, donc un bon 16 sur 20, moi j'aimerais bien un troisième épisode. Et des DLC Alors, je sais pas. Pareil pour l'anal du destin. Oui, je l'ai pas dit, l'anal du destin, il y a des DLC. Hein. Mais 14 heures de jeu, quoi. Je sais pas, ça choque personne d'avoir 14 heures de jeu sur Non, bah quand tu prends Uncharted, c'est pareil. Oui, non, mais c'est un petit peu plus, 14-15 heures. Et puis c'est, en plus, Uncharted, c'est comme... Dans Uncharted, je vais te dire un truc. Dans Uncharted, moi, ce que je déteste, c'est que tu pars à la recherche d'un trésor. Est-ce que tu peux me dire le trésor que c'était dans le 4 Le trésor que c'était dans le 3 Le trésor que c'était dans le 2 Le 4, c'était le trésor du pirate. Dans le dernier, c'est le prisonnier. Mais c'est quoi le trésor de qui? C'est le trésor de Barbe Noire. C'est même pas ça, mec. Si, c'est ça. On sait jamais pourquoi on court. Dans Uncharted, ce qui est bien, c'est les... C'est pas les Goonies aussi, c'est... Non, mais je veux dire, tu sais jamais après quoi tu cours dans Uncharted, et c'est ça qui est chiant, c'est que je trouve que la finalité, à chaque fois, c'est un peu daubé. Alors, le voyage, il est génial avec tous les personnages, mais la finalité, elle est daubée. Là, à la limite, avec Sébastien, il n'y a pas d'interaction avec les autres personnages, ou très très peu, hein, ils se foutent pas là-dessus, mais à la limite, tu sais pourquoi tu fais ton histoire. T'es à la recherche de ta gamine, le postulat, il est très simple, ça pète pas trois pattes à un canard, mais à la limite, c'est clair. Ouais.
tu sais pourquoi tu fais ton aventure. T'as l'angoisse avec, voilà. Et puis bon, il va y avoir des petits DLC, à mon avis, comme ils avaient fait pour le premier. Oui, puis ils font ça Bethesda, ils font toujours les DLC. D'ailleurs, c'est ça qui m'agace chez Bethesda, c'est que c'est un studio que j'adore, ouais, mais je sens qu'ils vont pas pouvoir produire à perte très longtemps comme ça. Là. Parce que tu vois, Prey, là, il est sorti il y a 6 mois, il a 20 balles sur PSN. Ils produisent pas à perte, ils produisent pas mal, s'il te plaît. Dishonored, il est à 15 balles. Ouais, mais Dishonored, il est sorti il y a un an. Dishonored, c'est de la 15 balles. Non, Dishonored, c'est pas de la merde, mec, t'es ouf. Non, mais non, en plus, moi, il est développé par Arcade. Et j'adore l'univers français, quoi. C'est français, mec, arrête, il est génial, il est top, mec, t'es ouf, il est trop bien. Retourne jouer à Arc. Ouais, le mec, il essaye de jouer à Arc, quoi, sans déconner. Dishonored, il a pas de graphique, il a toute une qualité derrière, l'histoire est super construite, t'as une possibilité accrue dans ce jeu-là. Mais tu vois, je me dis qu'ils vont finir par. Doom il cartonne, Doom il a bien marché. Je serais curieux de voir leur livre de compte parce que sans déconner, ils ont pas tout le temps 6 mois plus tard, les jeux sont à 20, 25 balles. Fallout il cartonne encore vachement. C'est le seul studio qui te propose des jeux. Non, regardez, Elder Scrolls, c'est eux qui font ça. Skyrim, putain, merci. Et ben c'est eux, et Skyrim il cartonne, il va ressortir sur Switch, t'as Doom VR qui est là. C'est un peu leur seul jeu, les seuls jeux avec. Ouais, mais tu vois les créations réellement originales, non, tu sais, Doom, un peu comme Dishonored. Bah regarde, Dishonored, tiens, c'est le meilleur exemple. L'extension qui est sortie là. Oui. Il est sorti à quoi, 30 balles? Il y a un mois? Un mois et demi? Il est passé à 20 balles déjà. C'est vrai, c'est cool ça. Un mois plus tard. Ouais, mais tu vois, mais le problème c'est qu'à force de décoter, il récolte pas de thunes là-dessus. Bah tu crois qu'il peut. Peut-être que si. Ah, je suis pas sûr. Je crois qu'à un moment, ils vont finir par. Il y a plein de studios qui vont finir par se casser la gueule, moi. J'ai peur de ça. Déjà, The Evil Within 2, il sera racheté par Microsoft. Et puis voilà, on en parlera plus. Tu parles, ils sont même pas foutus de faire un Alan Wake 2. Arrête un peu. Allo 6, arrête. Tu sais qu'il arrive, Allo 6, arrête. Bah, aussi, Allo 6, il arrive. Et tu sais qu'il arrive, c'est dans les fagots. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, donc moi, je mettrais un bon 16. Maxi best-of de tout ce qui se fait de bien. Bon, même s'ils auraient pu aller un peu plus loin et creuser un peu plus la chose. Moi, un The Evil Within 2. The Evil Within 3. Je vote pour. Bon boulot Bethesda, et bon boulot Tango, et bon boulot Shinji Mikami, et bon. Ah, tu vois ce qui est marrant, tu vois, je reviens à ta réflexion là, tu vois, ça me permet de faire un temps de réflexion. C'est ton coup de gueule. Tu vois, il y a deux secondes, tu te plains de EA qui. Non, mais EA. Attends, laisse-moi terminer ma réflexion. Il n'y a pas de boulot. Tu te plains de EA qui, justement, raquette les gens. Pour une fois, tu as un studio qui pense à l'expérience des jeux. Ouais, mais parce que justement, tu vois, j'ai joué moins cher. Bethesda. Je trouve que le travail créatif qu'ils font, il est réellement génial. T'as tout le temps un univers qui est top et t'as réellement un scénario derrière. Dans FIFA, il n'y a pas de scénario, les gars, à part un solo. La campagne d'Alex. Non, mais c'est simple. Au début du match, tu vas dire défense. En vrai, EA, c'est quand même pas. Ils se cassent pas le cul. Regarde, le seul studio qui faisait du scénario, c'était Visceral Games. Battlefield, il n'y a pas de campagne. Et puis, ils sont sur une telle. Le scénario, c'est maintenant. Ah non, pas Battlefront. T'as un stack. C'est un récit qui suit pas et tu bosses, tu fais des missions quoi. C'est quand même intéressant. Allez, ok, d'accord. Ils se cassent pas le cul. Ils vont pas se casser le cul non plus. Tu vois, ça me gêne pas de payer 70 balles pour des jeux comme ça parce que j'en ai pour mon histoire. Ils font des histoires. Alors, ok, Bethesda, ils font pas des histoires de ouf. Genre Doom par exemple, c'est pas une histoire de ouf. Mais par contre, Dishonored, c'est par exemple Dishonored, Prey, The Wizard. Mais non, Prey. Après, franchement, je suis à ça de le prendre. Tu sais quoi, je suis à ça de le prendre. Après, c'est pas une grosse expérience. Je crois qu'il est pas cher. Il a 25 balles là en ce moment avec les offres d'Amérique. Et bah, tant mieux. Et bah, remercie Bethesda, ils font des offres. Et bon, basta, remercie-les. Et Bethesda, remercie ton compte. Achète. Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Et puis, si ça se casse la gueule, ça se cassera la gueule. Mais bon, ça, je vais le faire. Vous avez mis une prêt. Prêt. Très bien. Donc voilà, moi j'ai fini. À ton tour. Donc moi je vais vous parler de... Ils se sont pas cassés le cul non plus, parce qu'ils prennent des histoires qui existent déjà sur Nintendo. C'est vrai, en plus c'est vrai. Voilà. Donc, ils ont piqué le système de combat de Batman. En même temps c'est eux qui l'ont créé. Oui c'est vrai. Donc l'ombre de la guerre qui est créée par Warner Bros. Warner Bros. Donc les créateurs de Batman et Monolith. Donc il est sorti le 26 septembre de cette année. C'est un jeu qui est proposé à 70 balles. Et j'en suis plutôt content. Il est content. Il est satisfait content parce que pour moi c'est une grosse surprise ce jeu parce que j'avais pas du tout fait le 1 et je pensais que ces jeux là les deux là je pensais que c'était un peu de la merde et c'est mon petit frère qui m'en parlait l'autre fois qui faisait le 1 et toi aussi tu le connaissais et du coup il m'a dit tiens le 1 il est quand même fatal, j'hésite à prendre le 2 tu vois, du coup j'étais là gros franchement le 2 il a l'air pourri comme le 1 et je me suis pas plus intéressé que ça. La dernière fois j'ai vu une vidéo de Cyril super connard un youtubeur
qui faisait une mission et qui se battait contre comment s'appelle le gros monstre là, le Balrog. Le Balrog de Gandalf, tu vois. Et du coup, j'avais vu ça, j'étais là, putain, ça a l'air fatal en fait. Coup d'épée, tu passes à l'arc et tout. Ah, mais mec, je te l'avais dit, moi, tu foutais la gueule le mois dernier parce que j'étais en train d'y jouer. C'est bizarre, ce jeu, j'en ai pas vu tant que ça au final parce qu'il n'y a pas eu une grosse pub là-dessus non plus. Sur YouTube, t'en avais pas mal, mec. Ouais, sur YouTube. Oui, sur YouTube, à la télé, pas forcément, même sur les. Même sur les sites de. Tu regardes le forum, rien que le forum, quand je regardais un peu les jeux. Ouais, le forum sont quand même assez vite, tu vois. Pas grand monde en parle de ce jeu-là. Ouais, parce que je trouve ça dommage parce que le premier il est réellement géant. Ouais, parce que le mec il est encore mieux. Mais du coup. Non, mais regarde le premier, moi je regrette de pas l'avoir fait. Oui, salut Titou. Et je regrette de pas l'avoir fini. Bah, du coup, je suis un peu dingue d'avoir fait le 2 direct. En fait, j'aurais bien aimé faire le premier pour faire un petit comparatif au niveau de l'histoire, surtout parce que du coup. Ah bah, je peux t'aider. Bah, du coup, tu vas m'aider parce que du coup, le 2, en fait, on sait pas. Enfin, on sait pas. On ne spoil pas par contre. On a une petite cinématique. Non, mais je vais pas te spoiler. On a une petite cinématique en fait du début qui t'explique que du coup, on incarne le personnage Talion. Qui, sa famille se fait buter. Oui, dans le 1. Et en fait, lui, il est blessé un peu pour mort. Je crois qu'il va pour crever. Il est mort. Il va pour crever, ouais, ou il est mort. Mmh. Il se fait ressusciter par un elfe qui s'appelle Celebrimbom. Celebrimbom. Enfin bref, un elfe du coup qui est mort aussi, mais et qui du coup va le ressusciter et va prendre part de son corps. En fait, ils vont être tous les deux dans le même corps. Donc, ça du coup, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez la partie humaine un peu, genre en coup d'épée dans tous les sens, et la partie elfe avec l'arc. La partie ombre en fait. Ouais, ça. Et du coup, ça, je trouvais ça assez stylé. Et au final, quand j'ai vu ça, j'étais plutôt, c'est la fatale. Bon, du coup, je me suis lancé et franchement, grosse surprise. Et le petit. Du coup, là, par contre, c'est au niveau de l'histoire. En fait, le principe, je pense que dans le 1, c'était pareil, tu dois buter Sauron. Non. Moi, c'était pas buté Sauron. Il est toujours pas mort. Moi, je fallait que je bute la main. Non, parce que c'est avant. La main. La main de Sauron. C'est avant le Seigneur des Anneaux. Oui, ça se passe avant. Oui, c'est avant le Seigneur des Anneaux. Ça se passe pas spoiler les gars, mais à la fin, Sauron il crève parce que Frodon il fout l'anneau dans le. Oui, c'est vrai. Merci le spoil, sympa. Non, en fait, il voulait même pas le foutre dans le feu. Il pousse juste ma gueule quoi. Ouais, voilà. Non mais dans le bras, le oui, c'est un coup de chance. Non mais non, on va pas revenir sur une trilogie qui a été de 10-20 ans, de 10-15 ans. Et Cahuzac. Et où Cahuzac nous a fait un coup dans le dos. Il nous aurait pas fait un coup dans le dos, Cahuzac. Les yeux dans les yeux. Je n'ai pas de compte au champ. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Bref, du coup, ça se passe avant le Seigneur des Anneaux. Et du coup, là, le principe, en fait, c'est... Et avant le Hobbit, d'ailleurs. Et avant le Hobbit, exactement. Et du coup, à la fin du 1, je crois qu'il va pour faire un anneau pour niquer Sauron, en fait. Je pense que c'est ça, parce que dans le début, en fait, il dit... Bah, t'apprends, en fait, dans le premier, spoiler alerte, que c'est lui qui a fait, qui a participé aux anneaux. Celebrimbom, c'est en fait, c'est le forgeron des anneaux, entre guillemets, des 9 anneaux. Et du coup, dans celui-là, il va fabriquer, en fait, un anneau... Il s'appelle un anneau un peu pur, tu vois, pour pouvoir, du coup, niquer Sauron derrière. Sauf qu'en fait, je trouve l'histoire un peu mal foutue parce que du coup, t'as pas vraiment. Ouais, t'es en train de chier sur l'univers Tolkien là. Non, mais du coup. Sur Tolkien là. Du coup, l'histoire en fait. C'est Tolkien qui est derrière le jeu. Ce que je trouve dommage. Il est même pas dans les machins. Sans déconner, c'est Tolkien, les gars, il est pas. Attendez, est-ce qu'il peut faire. Est-ce que à chaque fois. Est-ce que quelqu'un peut nous ramener le jeu Tolkien? Il essaie de passer en premier, ça marche pas. Il essaie de passer au milieu, ça marche pas. Il essaie de passer à la fin. Il se dit peut-être qu'ils vont me laisser tranquille, les mecs, ils vont être fatigués. Et bah non. Oui, bah non. Du coup, en fait, ce que je trouve dommage avec le solo de ce jeu là, c'est qu'en fait tu prends pas vraiment part à l'histoire, t'enchaînes les missions comme ça et t'as pas vraiment d'impact sur l'histoire ou sur le monde que tu prends part, tu vois. Enfin, les cinématiques sont super belles, mais tu sais pas vraiment ce que tu fais en fait. Des fois, les quêtes annexes sont carrément mieux, comme par exemple pour niquer le Balrog, sont carrément mieux que la quête solo, tu vois. Ah ouais, non, mais ça, c'est ça aussi dans le cas dans le premier. Dans le premier, c'était aussi le défaut, du coup, j'avais vu ça, et ça, je trouve ça. Bah, moi, je trouve pas ça un défaut, moi. Ouais, mais là, du coup, ça, enfin, pour moi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le jeu te pousse quand même à aller faire ces quêtes annexes, parce que sinon, t'as pas le niveau pour pouvoir faire les quêtes principales. Et du coup, en fait, Donc, en fait, il fait partie intégrante de ton arc principal, dans le sens où, en fait, comme il t'oblige à aller sur de la quête secondaire. Ouais, mais là, du coup, en fait, les quêtes principales, en gros, tu peux quand même foncer pour les faire. Tu auras juste le niveau de difficulté qui sera beaucoup plus haut parce que, du coup, là, vous avez un niveau de votre personnage. Ah, mais je te rappelle que tes erreurs te coûtent cher dans le nombre de. Oui, du coup, t'as. Ben, ça, j'en ai rien fait. Et du coup, c'est ça que j'avais trouvé un petit peu dommage sur celui-là, c'est que le solo, bah, j'ai pas vraiment accroché. Enfin, j'étais un petit peu. Là, je sais que je l'ai fini le solo du truc. J'ai juste les quêtes encore à max à faire et toutes les conquêtes de forteresse à faire. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage. Par contre, le point fort de jeu, bah, c'est les conquêtes de forteresse. Ça, c'est je sais, dans le 1, je crois que c'est l'idée. Conquête de forteresse. C'est derrière moi. T'as pas de forteresse dans le 1 Allez, conquérir des forteresses en ligne. Alors, non, j'en suis moi. Ah, ouais, si, les forteresses. Tu fais ton armée dans le 1 Ah oui, tu viens récupérer des. Si, bah, si, tu fais ton armée. Enfin, tu t'intègres. Tu domines les tirs.
Mais du coup, dans celui-là, ce qui est stylé, c'est qu'en fait, tu dois. T'as, en fait, t'as ta ville. Ouais, mais nous, ça servait pas à grand chose, ça servait surtout à avoir des infos, en fait. Ouais, mais là, du coup, c'est vachement important. Parce qu'en fait, le but, là, du coup, c'est pour essayer de niquer Sauron, ça va être de conquérir le Mordor. Et du coup, le Mordor, bah, t'as 6 forteresses à conquérir, avec, bien sûr, au fur et à mesure des niveaux de plus en plus élevés. Spoiler alerte, ils échouent, forcément, parce que Sauron n'est pas mort. Tout à fait. Mais du coup, okay, d'accord. Mais du coup, en fait, vous allez arriver, vous allez vous retrouver avec les Gondoriens, du coup, à Minas Tirith, si je me trompe pas. Minas Tirith. Non, Minas Tirith. C'est pas Minas Tirith. Minas Tirith, c'est juste à côté. Minas Tirith, c'est une ville qui s'effondre. Avant les d'ailleurs, ça devient la cité de la main que vous voyez dans le Retour du Roi. Vous savez quand Frodon est en train de monter. Pour aller dans la caverne de, là où y a, de l'araignée, vous avez un truc avec une lumière oui, un peu c'est verte. Là où il y a les cavaliers les Nazgûl. Les Nazgûl. Et la main noire, du coup. Bah, du coup, en fait, là, le principe, c'est que et en fait, les Nazgûl, là, ils sont en train de prendre cette ville-là. Vous essayez de niquer les Gondoriens, mais bien sûr, d'ailleurs. Leur alerte, ils échouent. D'ailleurs, vous faites défoncer. Donc, en fait, le but, ça va être d'essayer de récupérer le Mordor derrière pour après revenir sur Minas Tirith. Mais je trouve ça dommage. Ils échouent. Parce que du coup, en fait, bah, t'as pas vraiment de trame. En fait, tu sais juste que tu dois aller défoncer les forteresses, t'as des petites histoires à côté, des petites quêtes annexes. Mais du coup, le solo, bah, à côté de ça, c'est pas vraiment. Au point, il ne sait pas s'il a fini en fait la campagne. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça que c'est un peu dommage. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai raconté une connerie. Ça se passe après le Hobbit parce que Smaugle n'a pas l'anneau. Tout à fait. Non, parce que du coup, Smaugle, en plus, tu le vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu as les personnages qui reviennent dans le jeu que t'es dans Seigneur des Anneaux, comme Smaugle par exemple. Et qui vient t'aider dans pas l'anneau dans l'ombre de la lumière. Dans l'ombre du Mordor. Donc ça veut dire qu'il s'est fait voler déjà par le Hobbit. Donc ça fait le Hobbit, les deux jeux, et après la trilogie du Seigneur des Anneaux. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous devez conquérir le Mordor, et pour conquérir le Mordor, bah, il faut créer une armée. Donc là, le principe, c'est d'arriver. En fait, vous avez 6 maps différentes. Donc c'est un peu plus petit que je t'avais fait voir. Tu sais, les grosses maps. En fait, c'est un peu plus petit parce qu'en fait, t'as une forteresse par secteur. Et une fois que t'as des. Une fois que t'es dans la forteresse, après, t'as que ça comme map. Mais ça reste assez grand parce que vous avez la forteresse, et à côté de ça, vous avez quand même un espèce de gros campement en fait. Et du coup là-dessus vous allez avoir plein d'orques différents. Donc bien sûr vous avez dans la forteresse, faut pouvoir niquer le chef suprême, donc vous avez le chef suprême en haut. Après vous avez les sous-chefs entre guillemets, et derrière ça vous avez les gardes du corps. Donc vous pouvez attaquer dès le début la forteresse, mais bien sûr vous allez vous faire défoncer, vous n'avez pas d'armée, rien du tout. Enfin du coup là-dessus c'est un peu compliqué. Donc du coup le début ça va être en fait de récupérer des informations comme dans le premier, de trouver les points faibles de tes orques, et des orques ennemis, de pouvoir les péter pour pouvoir faire monter tes orques à toi. Après de créer ton armée et créer du coup en fait pouvoir attaquer la forteresse tout simplement et puis affaiblir la forteresse pour pouvoir y aller plus facilement. Donc ça c'est assez stylé. Et t'as un système d'infiltration je trouvais qui est en fait quand il est sorti c'était quoi en 2014-2015 donc en face t'avais un Assassin's Creed Unity qui sortait je crois. J'avais regardé. Non mais vas-y continue. Et je trouve qu'en fait à le faire maintenant. Je trouve qu'en fait le niveau infiltration est beaucoup mieux branlé que sur Assassin's Creed. Et c'est stylé du coup, c'est qu'en fait. Et où tu joues réellement en Assassin's Creed. Ils sont assez malins parce que du coup, en fait, t'as le côté, du coup, vu que c'est Warner Bros., t'as le côté combat, c'est Batman. C'est du pur Batman. Mm-hmm. Donc avec des contres avec triangle, pour mettre des coups d'épaule et des trucs comme ça, c'est. Les combos spéciaux, d'ailleurs. Avec carré, ouais, t'as tout ce qui est combos spéciaux. Que tu débloques avec un arbre de compétences qui est juste énorme. T'as aussi du stuff à récupérer, donc stuff légendaire, épique, comme dans tous les jeux, donc ça c'est assez stylé aussi, du coup avec des défis pour chaque stuff qui permettront de montrer ton armure et puis monter ton stuff avec des capacités, genre par exemple si t'arrives à niquer 3 types qui sont enflammés, bah tu vas débloquer le défi de l'épée et ça permettra en fait d'avoir une épée enflammée. C'est une rune, c'est ça qui met. Non, c'est ça en plus. Ça c'est encore à côté, tu vois. Du coup, en fait, c'est-à-dire qu'ils l'ont encore en plus remodifié que le premier, parce que dans le premier, quand tu faisais tes défis là, ça te permettait d'augmenter, enfin de rajouter une rune, je crois. Ouais, mais du coup, t'avais que ça. Maintenant, t'as le stuff en fait épique qui va te permettre de débloquer 2 défis, après t'as le légendaire, enfin 2 compétences, après t'as le légendaire 3 compétences. Et en fait, en fonction de ton arme, là par exemple, tu auras une arme, si t'arrives à faire le défi, t'auras une arme qui sera enflammée, donc au bout de. T'as 22% de chance sur les coups critiques que t'as un mec qui s'enflamme, tu vois. T'as plein de trucs comme ça. Pareil pour le poison, tout ce qui est maléfique, le mec qui explose, enfin. Toutes tes armes sont comme ça, t'as plein de trucs à faire différents, et ça au niveau du stuff, du coup, c'est à balle. Donc du coup, voilà, donc après vous avez fait votre armée, vous allez attaquer la forteresse, ça reste assez, assez redondant au niveau des attaques de forteresse. C'est beaucoup, en fait, dès que t'arrives, t'auras des points à capturer dans les forteresses pour arriver au chef suprême, défoncer le chef suprême, donc après soit le récupérer dans votre camp, soit le buter, comme vous voulez.
Et du coup, après, tu te prends place dans la forteresse, et à ce moment-là, après, il faudra la défendre. Ouais, donc, ils ont encore plus bossé leur système de montée, descente. Du coup, pendant cette phase-là, ça peut vous arriver que vous allez recruter un de vos orcs, par exemple, et il peut arriver dans ses capacités qu'il a un frère de sang, que ça soit un autre orc, tu vois. Sauf que si jamais vous avez niqué votre orc, et ben ça peut qu'il vous trahisse, parce que du coup, vous avez niqué son frangin. Et ce système-là, il s'appelle ça le système Nemesis. Ils l'ont vraiment poussé, parce que je n'avais pas ça. Et comme c'est marqué derrière la boîte, que je trouvais stylé, c'est « Rien ne sera oublié », tu vois. Parce que, et c'est vrai que... Et du coup, je m'en suis rendu compte plusieurs fois, où par exemple, tu recrutes un type, t'as buté son frangin, bah, pendant une partie, tu vas être en train de défoncer un type, ou faire une petite mission lambda, il va arriver, bam, il va te trahir. À côté de ça, t'as un type que t'as buté, il y a 3-4 missions avant, ou il y a 3 heures de jeu, tu auras coupé la tête, coupé le bras, il va revenir avec la tête cousue, ou genre le bras cousu. Tu lui as pété la jambe, il va revenir avec une jambe de bois. Tu auras explosé le crâne, il aura le crâne en fer. Et du coup, il va vouloir te baiser. Enfin, t'as trop de trucs comme ça. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça quand même assez fatal. Le système Nemesis, c'est juste génial. Ah non, mais et puis il est du coup très punitif. Ouais, parce que du coup, ça te c'est en ça qu'il est punitif. Ouais. Parce que en fait, tu peux, dès que tu meurs, ça coûte cher. Ouais, ça coûte très cher parce que les types, du coup, ils reviennent. Parce que du coup, t'as un système aussi de level up au fait au niveau de tes personnages. Enfin, des ennemis, du coup. Et en fonction du niveau que t'es, bah, c'est plus en plus dur. Tu vois, pareil, tu peux pas recruter un type niveau 50 alors que t'es que niveau 30, tu vois. Ce qui est normal, tu meurs. Ce qui est logique, parce que sinon, bah, vous cheatez le jeu, et puis, bah, tu sais, c'est trop facile après, du coup. Mais du coup, t'arrives des fois sur les types où t'es en train de niquer un type qui est niveau 20, t'es niveau 30, t'es là, ouh, ça se passe crème. En fait, bam, embuscade. Tu te retrouves avec un type qui t'attaque, t'es là, ok, ça vient d'où? T'as son frangin qui. T'as ton frangin avec lui, du coup, qui est en train de t'aider. Au final, son frangin, il arrive, du coup, hop, ça se bat entre frangins. Après, il y a un autre type qui vient te mettre en mode trahison. T'es là, voilà, t'es en train de te faire buter, t'es en dernière chance, tu vas pour crever. Bam, il y a un de tes potes qui arrive, il bute le mec. C'est, non, mais là, c'est un bordel sans nom. Du coup, tu peux te retrouver avec 5-6 combats, 5-6 orcs comme ça, en mode élite, qui te bat dans tous les sens, ça peut être un bordel. Je sais pas si, du coup, dans le premier, en fait, quand tu te faisais tuer par un orc ou quand un de tes potes se faisait tuer par un orc, en fait, tu le savais. Ça s'affichait sur ta map en disant ce tel ennemi a tué telle personne que vous connaissez. Allez manger. Ça c'est la vengeance. Là, ça c'est un système. Du coup, là, pour revenir du coup en ligne, comme Didier en parlait, du coup, en fait, t'as un système de vengeance où par exemple. Et du coup, rien n'est oublié. Voilà, c'est rien n'est oublié parce que du coup, si par exemple, il y a un type qui vous a buté, parce que je sais que Samy est arrivé sur le 1. Mais dans le 2, c'était ça en fait. Moi, il y avait un type qui m'avait buté, bon, je m'en rappelais plus. Et en fait, au bout d'un moment, je vois un truc d'afficher un mec en ligne, du coup, qui avait buté mon méta, tu vois. Qui avait buté mon mec, tu vois. Du coup, j'étais là, hop, toi, fatal et tout, il l'a niqué, tu vois. Bon, après, ça te rapporte rien. Je trouvais ça juste marrant en fait que du coup, il y a. Et toi, du coup, tu peux faire la même chose en fait. T'as l'impression que du coup, le monde est encore plus cohérent dans le sens où. Du coup, je trouvais ça intéressant parce que du coup, tu peux attaquer des types, enfin, tu peux aller buter des rivales qui ont buté des mecs en ligne. Et bah, si du coup, il y avait Ringo ou Yomi qui avaient le jeu, bah, j'aurais pu aller buter les types qui l'ont buté, tu vois. Et ça, je trouvais ça vachement stylé. Pareil, en ligne, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des conquêtes en ligne. Donc, du coup, faut qu'en fait, tu fasses ton armée. Et du coup, ça n'existe que dans le 2. Ouais, c'est que dans le 2 que c'est le 1. Et en fait, là, vous allez lancer, du coup, vous avez un système un peu de. Comment dire, un peu comme sur Overwatch ou sur FIFA, où vous allez avoir une cote en fait, et vous allez affronter des types qui ont leur défense en fonction de votre cote, tu vois. C'est forcément un peu plus, tu vois, pour que ça soit plus, plus égal. Et du coup, vous devez mettre des mecs plus en pour pouvoir attaquer le truc. Ça permet de looter des coffres, d'après looter du coup du stuff, looter des personnages, looter des thunes. Enfin, du coup, vous avez plein de trucs à faire en ligne. Du coup, c'est assez intéressant. Après, ça reste quand même assez redondant. Hein. Les forteresses, c'est assez basique. C'est quand même du point que tu captures. Enfin, les combats, ça reste assez différent parce que du coup, tous les ennemis sont différents. Vous allez avoir des mecs qui sont plus toxiques, des mecs qui sont plus enflammés, les mecs qui peuvent s'enrager. Par exemple, si vous êtes en train de niquer un type à côté et que du coup, lui, il est enragé pour lui, bah, les combats sont plus intenses. Des fois, c'est un peu plus mou. Du coup, c'est vrai que ce jeu, d'un côté, il est redondant, mais de l'autre côté, t'es toujours un peu surpris des combats. Donc, ça reste assez intéressant. Mmh. Ça, j'aime bien. Ah, t'as aussi le système aussi où tu peux avoir des. Je sais pas si c'est dans le 1CT, mais du coup, t'as pas mal de bêtes. Bêtes féroces, du coup tout ce qui est Caragor, les chiens, t'as les Grogs, donc c'est une espèce de gros troll entre guillemets, gros monstre si tu préfères. Ouais. T'as tout ce qui est Drake, donc ça c'est les Un peu comme Aragorn, il le contrôle à un moment où, quand je sais plus si c'est Aragorn ou Legolas, tu sais, à un moment il se fout sur une sorte de. Ah ouais, exact, et puis il laisse épée que ça et il dit. Et il le contrôle, ouais, donc là c'est un peu sur le même système. C'est le même système, du coup t'as les Drakes, c'est les dragons, enfin du coup t'as plein de bestioles comme ça qui sont à utiliser, c'est sympa. T'as tous aussi, t'as les araignées aussi, tu peux faire venir des araignées qui peuvent niquer des types à côté de toi, qui peuvent t'aider ou te buter derrière. T'as aussi des gaules, c'est des mecs avec espèce de petit monstre un peu relou. Mais ça, ils sont pas très intéressants, c'est juste qu'ils sont un peu relous. C'est logique. Non, il y a un moment où tu sais que dans les mines de la Moria, je crois qu'ils le contrôlent, ils se foutent dessus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à le niquer. Non, ça c'est un troll. C'est un troll. Ça c'est un. En fait, dans celui-là. Il y a pas de cavalier warg dans le. Il y a pas de warg dans. Non, mais c'est pas les wargs dont tu parlais. Non, ça c'est les Uruguay dans le jeu. Mais ça c'est pas des. Ça c'est un troll. Je vois ce que tu veux dire. C'est un troll. Ouais. Ah, je sais plus.
Et du coup, voilà, ça c'est vachement intéressant. Donc, pour parler des personnages, du coup, en fait, vous avez. Du coup, comme je vous ai dit, vous avez des niveaux différents, vous avez aussi les personnages ont des capacités différentes. Ils ont aussi, du coup, ils ont une partie faiblesse et une partie point fort, entre guillemets, que vous allez devoir profiter de la partie faiblesse pour pouvoir niquer les ennemis. Et ça, je trouvais ça vachement stylé parce que du coup, ça te permet en fait de. Les combats sont assez différents là-dessus parce que du coup, un type qui va être assez chaud au niveau du toxique, il va falloir contrer par exemple avec des trucs enflammés, des trucs comme des bestioles. Des fois, ils vont. Mais ça, t'apprends ça avec les infos. Les infos que tu captures du coup sur certains personnages. Donc, ça, les personnages sont assez sympas. Après, les types. Vous avez quand même les orques, vous avez un panel, vous avez masse d'orques différents. Après, les noms se remettent sur d'autres persos, tu vois que de temps en temps, les armures se rechangent. Enfin, du coup, de temps en temps, tu as quand même des similitudes entre certains persos. Mais ça reste quand même. Après, moi, je trouvais que dans le premier, le monde paraissait cohérent. Ouais. C'est ça que je trouvais. Ça, j'avais bien aimé ça. Ouais. Le fait que ce soit cohérent, en fait, comme monde, alors que c'est pas censé l'être. Et là, du coup, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, en fait, vous avez, pour encore parler des personnages, vous avez, en fait, du coup, vu que vous avez 6 forteresses, vous avez 6 tribus différentes. Donc, les 6 tribus auront leurs armures différentes, leurs capacités différentes. Donc ça, du coup, je trouvais ça encore intéressant, du coup, qu'ils aient bossé un peu plus les personnages. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vachement cool. Ça a l'air sympa. Ouais, franchement, ce jeu, c'est une grosse surprise pour moi. Ça compte, je suis plutôt content. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? La fat zone. Du coup, le stuff, j'en ai parlé. J'ai parlé aussi, du coup, des gemmes. En fait, c'est des petites capacités qu'il faut rajouter sur vos armes pour gagner soit un peu plus d'armure, enfin, plus de santé. Pouvoir mettre par exemple 5 niveaux d'un seul coup quand vous dominez un type pour lui rajouter 5 niveaux direct. Enfin, vous avez des petites gemmes par-ci par-là, mettre un peu plus pour avoir d'autres gemmes encore plus grosses à côté. Enfin, ça c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Donc, après, au niveau des ennemis, vous allez rencontrer par exemple le Balrog qui est quand même assez mythique dans Seigneur des Anneaux. C'est passerelle, c'est le passage avec Gandalf. Vous allez aussi avoir les Nazgûl, l'espèce de mages noirs qui vont être là, que vous allez vous combattre contre eux. Après, à côté de ça, vous n'avez pas vraiment d'ennemis emblématiques, donc ça manque un peu de gros méchants, tu vois. Ouais. Tu restes basé quand même sur les orques, et ça, je trouve ça dommage. Mais après, t'es qu'un simple rôdeur. Ouais, après, t'es qu'un simple rôdeur. Donc, tu peux pas tout faire. Un simple rôdeur avec une partie d'ombre. Ouais, elfique. Un simple rôdeur. Ouais, mais des descendants d'Isildur. Mais du coup, voilà. Celui qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et fils d'Arathorn. Du coup, bientôt, je vais faire un petit let's play, des familles sur les premières missions en ennemis jurés. Donc, on va voir si ça vous plaît, je continuerai. Sinon, on va vous faire un collet. Ça, c'est dit, c'est ça. Je sais pas si c'est à nous qui s'adressait ou si c'était à eux. Non, je sais pas ce que vous regardez en même temps. Je sais pas, c'est la concert ou pas. Non, c'est que je pense bien refaire le jeu. T'as Nina dit quelque chose. Ah, tu vas refaire le jeu en complet? Ouais, je vais refaire le jeu en complet. Ah ouais, t'es motivé. Il a fait 68 heures déjà. Ouais, c'est pour ça que j'ai déjà. Il a pas 60 heures du coup. Mais c'est pour ça que il se fout le doute en si j'ai fini la campagne. C'est pour ça que tu vois, quand tu vois un jeu par exemple à 14h et 68h à côté, côté, tu vois, je trouve qu'il est peut-être plus immersif de Vivi Wavin 2 ou pareil pour la NLD des Stars. Ah, c'est pas le même style de jeu. C'est pas du tout. Tu n'as pas cherché les mêmes choses. D'accord, je suis d'accord. Et c'est pas répétitif. Non, mais je suis d'accord, t'as un sens où c'est quand même différent, tu vois. Mais d'un côté, si t'as envie du contenu, peut-être t'as envie de plus. Après, c'est un monde ouvert, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé, mais du coup, ils utilisent vachement Assassin's Creed au fait où t'as les points d'observation, pareil, à capturer, pouvoir récupérer pas mal d'artefacts. Mais que t'avais déjà dans le premier avec c'était des tours d'observation. C'est le même principe. Enfin, t'as pas les tours, les vieilles machins, je sais pas quoi. Ouais, du coup, pour revenir au jeu, tu vois, c'est vrai que du coup, si. T'as quand même c'est sûr que t'en as plus pour ton argent s'il fallait parler quand. Quantité, temps et quantité. Après, c'est redondant, comme tu le dis à plusieurs reprises, c'est quand même assez redondant. Tu revois beaucoup la même chose. Ouais, sur un jeu de 15 heures, t'as pas le temps de revoir la même chose. C'est toujours différent. C'est voilà, avances dans The Evil Within. Après, c'est pas traîné. Après, t'as quand même des environnements différents. Tu vas avoir des forteresses qui sont plus gelées, des forteresses. Non, mais je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est 14 heures. Mais tu tapes une licence qui a été ressucée. T'as quand même des mondes vachement différents. T'as des forteresses qui sont plus gelées. Enfin, du coup, t'as une forteresse qui est avec un putain de volcan à côté. Excuse-moi, moi j'étais dans le ciel. Du coup, j'aime bien, tu vois. J'étais dans Park. Petit bémol aussi, tu vois. Au début, je me plaignais pas trop des graphismes. Mais mine de rien, plus t'avances dans le jeu, et plus je trouve que ça pique un peu la gueule. Ce qui me permet de faire un magnifique lien avec la Xbox One X, qui est bien meilleur graphiquement sur l'ombre de la guerre. C'est par rapport à la PS4 Pro, je vous conseille d'aller voir le comparatif de Digital. Il est optimisé. Apparemment, Xbox One X. Mais d'ailleurs, vous avez vu la bande-annonce?
de la Xbox. Non, j'ai pas vu le teaser, donc me spoil pas, parce que parce que c'est sur la page depuis ce matin. Il y en a qui ont travaillé, qui ont été à l'école. Arrête, t'es à l'école, mec, je sais très bien ce que c'est. Non, du coup, j'étais pas en train de dire. Je vais finir. Alors, quelle note tu donnes? Moi, je mets un bon 15 sur 20. Derrière ça, si jamais les DLC sont intéressants, et je vois que par Gameblog ou jeuxvideo.com, ils ont fait des bonnes notes sur les DLC, je me lancerai peut-être tenter pour voir ce que ça porte derrière, et bah, je ferai peut-être un let's play si ça vous plaît ou pas, sinon je vous fais enculer. Décidément, j'ai très anal aujourd'hui. Du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis les anneaux de son. Et ça serait bien que ça soit fait avec le Frostbite. Avec le Frostbite de Yves. Et du coup, pour ce jeu, voilà. Donc je vous le conseille, si vous jamais... après, c'est vrai que... C'est ni bon ni mauvais. D'un côté, je trouve aussi, tu vois, c'est un peu comme l'annale du destin. Ça ne contrôle que pour là. Je trouve c'est un peu comme l'annale du destin. Il tombe un petit peu mal, tu vois, parce que du coup, c'est vrai que ça ressemble un peu à du Assassin's Creed. Donc les joueurs vont peut-être se laisser plus tenter par l'Assassin's Creed que le nombre de la guerre. Ouais, mais d'un côté, il est sorti un mois avant, le 29 septembre. 26, mais ouais, c'est quand même, tu vois. C'est un jeu de fin d'année, tu vois. Ça, c'est pareil. En fin d'année. Ah bah oui, ça c'est une sorte qui va l'emporter. Bah oui, c'est ça le truc. C'est que les joueurs, tout regarder. Franchement, rien que sur le forum, je regardais des fois des petites astuces et tout comme ça, mais les forums sont assez vides, tu vois. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Après, je pense qu'il y a c'est très bien parce que c'est une bonne licence. Mais ça reste un bon jeu et je pense que ouais, si jamais vous êtes tenté, foncez parce que franchement, il est vachement intéressant. D'accord. Right. Super. Même si vous n'avez pas fait le 1, allez-y. Ouais, je vous conseille de faire le 1 quand même. Non, mais c'est vrai que j'aurais préféré. Non, mais il est souvent en réduction en plus. C'est vrai que ouais, j'aurais préféré de faire le 1. Tu vas faire chier les réductions, toi. T'aimes bien les payer plein pot. On t'écoute. T'es un gros pigeon, toi. T'es un gros pigeon. Tu gueules et après t'es pas content. C'est pas ça. Merci c'est... Bethesda, j'en reviens à ça. Non, mais Bethesda, ça, je l'ai déjà dit, c'est que ça m'emmerde parce que je trouve que c'est un très bon studio. Et que ton jeu il décote au fur et à mesure, ça c'est normal. Mais tu le décotes pas sur les 3 premiers mois de vie, quoi. C'est complètement con de décoter ton jeu. Ça veut dire que t'en as rien à branler. C'est quoi le prochain Batman? Il n'y en a plus de Batman, c'est fini. T'as c'est terminé, il est mort. Batman. Tu veux pas le refaire un Batman? Ah non, ils ont dit que c'est terminé Batman. Pas reçu, c'est une licence tout le temps. Bon, allez, non, Batman, c'est bon. Non, ils avaient parlé d'un autre super-héros. Enfin, bah, que la Batman. Mais je veux le finir pour moi. C'est terminé. Wonder Woman, peut-être. Bon, bah, c'est bien ça. Achetez ce jeu. Voilà, abonnez-vous. Ah, c'est un petit coup de cœur, moi. Ah, bah lui, il a des coups de cœur, des coups de gueule, des machins. Il pourrait nous parler de quoi? Mindhunter. Enfin, j'ai deux coups de cœur. Non, Mindhunter, t'as déjà fait une pub, donc non. Non, si. Alors, Mindhunter, on a déjà parlé. C'est génial. C'est de la Netflix, très bien. Deuxième coup de cœur, c'est le dernier album d'Orelsan, les gars. Non, merde. Et moi aussi, la Direct Energy, je l'ai trouvé bien meilleur. Moi, j'appelle déjà son cœur. Mais c'est pas merde. Non, mais t'es ouf ou quoi, toi? C'est bon, et ça c'est pas grave. Ta gueule, toi. Et oh, les goûts et les genres ça se discute. Voilà, c'était beau, c'est la fin. Ça me comptera quand même, copain. Ça comptera quand même. Moi je vous emmène. Et je rentre à la maison. Alors, ouais, c'est ce qu'on va faire. On va se rentrer à la maison. A savoir que prochainement, on va y avoir des vidéos sur l'appareil GameSuite qui arrive très prochainement et ça c'est cool. Bah oui, ça va arriver bientôt l'appareil GameSuite. On est à quelques semaines. Deux semaines de l'appareil GameSuite. Donc ça va être cool. Il y aura des Assassin's Creed qui va arriver aussi prochainement. Des Stranger Things qui va nous parler de ses coups de cœur. Voilà, il y a Star Trek aussi. Qui va nous en parler, va nous faire une vidéo. Non, je vais pas faire Star Trek, moi. Je le fais avec toi. Star Trek? Ouais. Tu veux parler de Star Trek? Avec toi. Avec moi? T'as vu t'en parler avec lui? Ah oui, j'aime pas lui. Il est un con, mais ça comptera quand même que pour là. Et Kelzac. Il n'aurait pas fait un coup dans le dos, Kelzac. Voilà, plein de vidéos, plein de trucs. Voilà, un podcast à la fin du mois, une petite unboxing pour Xbox One X. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est ce mois-ci. Le 13? De quoi? Le Xbox One X, le 13 ou 15? Le 13 d'octobre, bah c'est novembre. C'est... Non, mais c'est 7 novembre. 7 novembre. Mais bon, selon toi, je l'aurai pas le jour de la sortie. Bon, ah bah oui, mais ça c'est sûr. Bon, tant mieux, ça me décalera le paiement. Bon, là-dessus, avant qu'il y ait 3 quarts d'heure de voilà, plus, merci. Donc, quand le dernier album d'Orelsan. La merde, je vous conseille. Merci, il y a bien de références. Aucun rapport avec la vidéo. Il y a plein de références qui vont skip. Vous écoutez pas les paroles. Et le carburant à prix coûtant, Intermarché. Je crois qu'il y a des réductions sur le papier. Et il y a une belle promo sur les pitchs au champ. Allez-y, en tête de gondole en plus. Ah, ça ne peut plus rire. Hein. Et il y a des jeux sur Kinder qui parlent du jeu vidéo. Allez-y, exactement. Hein, sans déconner. Vous voulez faire les choses sur Tinder, et le sandwich vegan avec. Ouais, McDo, qui sait qu'il l'a essayé? Non, mais personne. C'est de la viande vegan, merci quoi. Une gueule d'être vegan. On n'a rien contre les vegans, attention. On n'a rien contre les vegans. Surtout pour un abonné. Personne n'a abonné. C'est bon, merci. On n'avait que des vegans dans les abonnés. 230 personnes. 230 personnes de vegan. Voilà, et on vous emmerde via com. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais c'est trop tard. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures Master Game. Ciao, on met tout le monde en même temps. À la prochaine, bye bye. Ciao, bala.